faster we move forward, it becomes even more critical to look back and never forget who we are and never forget where we came from and what made this brand such a great global luxury brand today. I run the company with Christopher Bailey, our Chief Creative Officer. We had a vision, and the vision was to be the first company who was fully digital end-to-end. We are partnering with Salesforce to now take that vision and build this social enterprise. The experience would be that a customer would have total access to Burberry across any device, anywhere, and they would get exactly the same feeling of the brand, feeling of the culture, regardless of where, when, how they were accessing the brand. Everyone now can come into Burberry World and understand the journey and mission that Burberry's on. And to any CEO who's skeptical at all, you have to. You have to create a social enterprise today. You have to be totally connected with everyone who touches your brand. If you don't do that, I don't know what your business model is in 5 years. Bon, alors ils sont pas présents, mais on les remercie. Donc Burberry et Salesforce, ça leur fera un petit peu publicité. L'idée simplement de cette vidéo, c'était de vous dire ce qu'on va vous répéter tout le long de cette keynote. You have to be digital. Toutes les entreprises devraient aujourd'hui penser, vouloir et repenser un peu leur modèle au niveau digital. L'idée de la keynote est très simple. La phrase de départ, c'est: vous n'avez malheureusement plus le choix aujourd'hui de choisir ou pas d'être digital, vous devez l'être. Voilà, tout simplement. Je vais vous présenter les intervenants qui nous font l'honneur d'être ici pour débattre avec nous. Donc dans l'ordre respectueux, Tina Cadierno, directrice marketing stratégique et client de Fnac, du groupe Fnac. Karine Lazimi, responsable innovation, community management interne et externe du groupe Allianz. Nicolas Le Hérissier, directeur marketing Oura.fr, groupe Cora. François Momboise, président de la FEVAD. Et Bruno Teboul, ex-dirigeant du e-commerce de Carrefour et ancien de consulting de Devoteam. Voilà. Donc on va commencer par effectivement une question toute bête qui est... on va leur demander tout simplement, et à vous aussi, si vous prendrez bien un petit peu de digital. Et à l'heure du café, un petit cupcake, ça devrait passer plutôt bien. Et la première question, en fait, elle va s'adresser à peu près à tout le monde. C'est une question... l'idée, c'est de vous demander où étiez-vous. On dit souvent de cette phrase, où étiez-vous le jour où Kennedy est mort. Pour certains qui ont un âge entre guillemets avancé, on sait à peu près où on était. Alors pour les plus vieux, c'est le jour où l'homme a marché sur la Lune. Donc nous, on va juste vous demander où étiez-vous et que faisiez-vous et dans quelle entreprise étiez-vous le jour où le web est arrivé. Et deuxième et sous-question, qu'est-ce que ça a généré en vous comme vision ou comme conviction? Tita. Le super cadeau. Merci Nicolas. Alors, où j'étais en quelle année déjà? 97, ah, le, 96, le, 97. Le bon, web bref, en France. On va pas remonter le temps et refaire l'histoire. On va le situer entre 95 et 97. Ouais. Non, voilà, j'étais stagiaire, je crois, ou étudiante. Alors, où j'étais? Moi, j'étais au sein du groupe RIDE, qui est un groupe d'information B2B. Donc, dans l'édition, l'événementiel, vous connaissez probablement le groupe RIDE Exhibition qui organise en fait un certain nombre de salons. Et donc à mes tout débuts, en effet, je devais être stagiaire, on a connu en fait l'arrivée des premières boîtes email. Alors les premières boîtes email, quand on est dans le B2B, on commercialisait nos offres au départ par le biais, vous savez, du mailing, qui existe toujours d'ailleurs, vous savez, le petit papier qu'on reçoit par courrier, ça fonctionne toujours assez bien. Et on a vu arriver en fait ce nouveau canal, ce nouveau média, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de ça finalement dans notre communication? Et on a tout de suite finalement démarré la construction d'une base, parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on n'avait pas de data,
C'est-à-dire qu'on n'avait pas de data email, il a fallu en fait concevoir tout cela. Et on a décidé de mettre en œuvre en fait toute une stratégie relationnelle B2B, donc c'était quand même assez tôt à l'époque, en 97-98, pour justement soutenir l'activité de notre entreprise. Et j'ai un autre exemple qui est dans un autre secteur, année 2000, hein, donc c'est il y a 13 ans maintenant. C'est la bulle. C'est la bulle, en effet. Début des années 2000, j'ai intégré le secteur du tourisme, notamment Bel en Bras. Et là, on avait en fait une problématique. Il y avait un autre enjeu finalement, c'est que le web arrivait massivement. On a dû construire justement l'arrivée de ce web par la mise en œuvre en fait d'un canal de vente, puisque le web étant un canal et à la fois un média. On n'avait pas anticipé, puisque bon, on ne savait pas ce que ça allait donner finalement, et on était confronté à une situation qui était finalement alors le développement de ce nouveau canal, certes, mais aussi un effet de cannibalisation finalement sur un canal qui était historique, qui était le call center. Et donc là a commencé finalement une migration de l'entreprise pour mieux intégrer, enfin, en tout cas pour intégrer, enfin, définir et intégrer dans l'ordre en fait une stratégie donc pérenne, de manière à ce que tout cela accompagne en fait l'entreprise, donc avec tout un sujet RH, mobilité, développement des compétences, qu'on n'avait pas du tout à l'époque, hein, puisque au début des années 2000, finalement, les fonctions d'e-marketing, e-merchandising et j'en passe n'étaient pas vraiment répandues. Et donc, il a fallu en fait mettre en œuvre tout cela. D'accord, donc on peut dire que ça a commencé à bousculer doucement un petit peu les murs. Karine, alors, je vais essayer de même question. Ça marche là? Oui, ça marche. Alors bonjour, j'étais alors en 94, tu as voulu absolument qu'on ait une idée de notre âge en fait, hein, c'est ça? Ben moi j'arrivais de New York également, c'était dans ma première année, deuxième année de travail, donc vous pouvez situer, et j'étais chez Air France en fait, et quand je suis arrivée en 94 à Paris, c'était chez France Télécom, en plein cœur, je dirais pleine actualité du Minitel, le Minitel était au top. Et moi, j'arrivais en disant, mais attendez, il y a un truc, c'est génial, il y a Internet. Et on me disait, OK, c'est pour ça que tu vas être recrutée, mais pendant 4 ans, tu vas te la fermer. Alors, j'ai dit, bon, d'accord, OK, je vais me taire. Et j'ai travaillé en sous-marin pour construire le backbone européen avec les réseaux de recherche. Pour certains, vous devez peut-être connaître Renater, l'INRIA, etc. Et voilà. Et à l'époque, déjà, on avait, on en reparlera, parce que je crois que ça te tient à cœur, hein, Tina, le mot vision. On avait déjà en termes de vision, et là je vous parle de ça il y a 20 ans hein, quand même, hein, plus de 20 ans, on pensait à tout ce qui était contenu. On savait que moi je disais, OK, je suis un plombier, on construit le backbone, les tuyaux, mais je leur disais, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On me disait, pourquoi? Ben, je dis, oui, bah, OK, c'est bien beau, on va avoir de la bande passante, des paquets, etc. Mais qu'est-ce qu'on va raconter? Et quel est le sens? Pourquoi faire? Et on était déjà... comme on l'est encore plus aujourd'hui, mais on était déjà à la recherche du contenu. Donc moi, ce qui m'a marqué vraiment à cette époque, c'est qu'on prenait sous l'angle outil, on en reparlera tout à l'heure, alors qu'en fait, on essayait d'embarquer les gens déjà pour dire, OK, pour quel usage? Pourquoi? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on va raconter? Voilà, pour moi, c'est ça le web. C'est la dualité entre, déjà, je me suis sentie avec... je fais comme, j'enlève le micro exprès pour vous montrer, hein. Le trait d'union entre l'IT et la com, c'est le market. C'est un voilà. Vrai trait d'union, ouais. Nicolas, même peine. Alors, marche, oui. Si j'essaie de me rappeler l'époque où j'ai mes premiers pas sur Internet, c'était quand j'étais étudiant en Angleterre. Je suis désolé pour mes voisines. Mais c'est pas cool pour moi. Non, c'est vraiment pas cool. Mais c'est la réalité. Et je me rappelle avec émotion la découverte de la bibliothèque universitaire de cette université anglaise qui, quand j'arrivais dans les rayonnages, me fascinait. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, tout en haut de la BU, il y a une salle qui est extraordinaire. Il y a une salle informatique. Je suis ouais, OK, d'accord. Vas-y, va voir. Et là, il y avait un open space absolument gigantesque avec des postes partout et des gens qui restaient hypnotisés devant. Et une petite carte pour pouvoir accéder à un compte. Et effectivement, je suis arrivé sur un poste. À l'époque, on surfait sur Alta Vista. Donc, on prend rapidement un petit coup de vieux. J'ai passé beaucoup de temps dans cette BU. Alors, tout le monde ne me croira pas, parce que quand on est étudiant en Angleterre, on ne passe pas tout son temps dans la BU. Je confirme. Mais ça a été mes premiers pas sur Internet. Et ça a été l'accès à l'information de façon absolument extraordinaire, même si le web a beaucoup changé depuis. Donc c'est un souvenir, je dirais, plein d'émotions. Et à titre professionnel, quand je suis rentré en France pour être stagiaire,
J'ai travaillé dans l'affichage publicitaire et là, le web s'est réduit à sa portion congrue. C'est-à-dire qu'il y avait un poste dans un coin avec un modem, je ne sais pas si c'est du 28K plutôt que du 56K. Et on m'a dit, Internet, c'est là-bas, là, le truc dans le coin. Et là, j'ai compris que suite à l'émotion que j'avais vécue en Angleterre, je me suis dit, il y a beaucoup, beaucoup à faire à titre professionnel dans le web en France. Et même si les choses ont évolué, je suis persuadé qu'on est loin d'avoir traversé le gué, qu'on est qu'au tout début de l'histoire. Donc, c'est deux expériences qui m'ont appris beaucoup de choses pour la suite. François, Bruno, je vous demande ensemble, mais dans l'ordre. Alors moi, je suis beaucoup plus vieux puisque j'étais déjà patron d'une boîte grande conso à l'époque. Mais non. Et donc le web dans la grande conso, ça nous paraissait pas du tout le sujet. D'abord parce qu'au début, ça marchait pas le web. Faut être clair. Il y avait le petit bruit inimitable, l'affiche qui mettait 10 secondes à passer. Donc ça nous paraissait infaisable. Cela dit, après, j'ai travaillé comme patron d'une agence de marketing direct, des interactives. Où le souci, c'est qu'on vendait des solutions aux clients qui étaient très bien s'il y avait eu des abonnés. Donc on vendait des solutions de CRM en 2000, sauf qu'il y avait 4 personnes qui pouvaient avoir accès aux solutions de CRM. C'était un gouffre total. Donc aujourd'hui, ça qui est bien, c'est qu'il y a les gens. Il y a les gens et il y a les tuyaux pour faire ça. Et il y avait les idées en 2000, mais ça marchait juste pas. C'est le souvenir du net que j'avais. Bruno. Bon, alors moi, François, je vais jouer les papis à nouveau. On finit par les papis. J'ai fait un passage dans une école où on a eu la chance d'avoir des adresses mail. J'avais des comptes CompuServe à l'époque à l'école polytechnique. Je vois que ça parle. Donc je connaissais juste la partie email scientifique, on va dire. Et puis en 96, je suis parti aux États-Unis chez Office Depot pour préparer l'avènement d'Office Depot en France. Et en fait, j'ai découvert ce qui s'appelait en fait OfficeDepot.com. Le premier site de commerce électronique que je voyais de ma vie, c'était en 96. Je ne comprenais pas très bien ce que ça signifiait. Les Américains me disaient, mais si, c'est sur le front desk, tu verras, c'est le département Direct Sales. On vend, c'était de la vente électronique. Bon, puis c'est resté comme ça dans le coin de ma tête. J'étais plutôt centré à l'époque sur des activités type catalogue, etc. Et en 98, j'ai vraiment pris ce virage. Je suis parti en Angleterre et j'ai participé à l'aventure QuickSell, sur un jeu de mots. QuickSell, qui est en fait l'ancêtre d'eBay quelque part. Alors, on n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'on ne s'est pas fait racheter par eBay. Il y avait un acteur plus malin que nous, un Français qui s'appelait eBazaar. Et eBay a jeté son dévolu sur cet acteur. Je ne serais peut-être pas là aujourd'hui d'ailleurs. Voilà pour le préhistorique de la bande. Bon, alors, il y avait une question déguisée derrière tout ça. Ce n'est pas juste pour vous pour rappeler des gens qui sont même plus vivants. On embrasse très fort AltaVista et ses copains. Pour info, cherchez sur le web, amusez-vous. Lycos existe toujours. Le petit chien noir. Juste pour vous dire, en fait, tout le monde vient de vous. On est dans le sujet pourquoi il faut être digital et you have to, comme le disait la vidéo. Donc vous devez, c'est obligatoire. Et tout le monde vient de nous le dire, en fait. Déjà à l'époque, on avait créé les situations favorables à. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, on va dire, pour pas vieillir tout le monde, on ne peut plus vraiment refuser le digital puisque en fait tout est à disposition, comme disait François. Aujourd'hui, les tuyaux sont installés, les contenus, on y réfléchit. Alors aujourd'hui, la question est comment peut faire une entreprise pour se départir du digital, refuser le digital. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, quelque part, de refuser le digital? Alors la réponse va être bien sûr, on peut tout de suite la donner, c'est non. Mais le cheminement entre le oui et le non, enfin la question et la réponse, est très long. Et pour vous embêter encore avec des questions assez simples, vous avez tous maintenant, effectivement, selon vos parcours, vécu cette transformation, on va dire même mutation, parce que moi j'aime bien employer le terme de mutation digitale ou de révolution digitale. Et vous l'avez vécu maintenant dans vos nouvelles sociétés, avec plus ou moins de freins, on peut tous le dire. Donc, en étant très, très concis, si vous deviez le dire à quelqu'un demain, tu dois réaliser ta mutation digitale au sein de ton entreprise, en trois mots, quels seraient les trois mots leaders ou les trois mots qu'il faudrait retrouver pour réaliser une bonne mutation digitale? Dans l'ordre que vous voulez. Alors, les trois mots, vision, persévérance et accompagnement. Vision, parce qu'il y a énormément de choses aujourd'hui qui composent l'écosystème digital, on le sait. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? À quoi ça sert et à quoi ça peut servir le développement de l'entreprise? Donc, il faut avoir cette vision et pouvoir se projeter finalement dans le temps et se dire finalement à horizon, alors pas à 15 ans naturellement, mais à horizon 5 ans, à peu près à 5-7 ans,
qu'est-ce que je veux avoir réalisé grâce à cela. Et en fonction de cela, pouvoir définir une stratégie, naturellement le cap en fait, qu'il faut atteindre, en sachant que le cap, on l'atteint avec parfois en fait, des chemins qui sont variables en fonction des éléments extérieurs. Persévérance, parce que c'est un chemin qui est semé d'embûches, on le sait. Le digital touche naturellement à l'organisation, touche aux compétences, aux ressources humaines notamment. Ça touche également les systèmes d'information et aussi ô combien les structures IT ou les structures de systèmes d'information des entreprises peuvent être lourdes et complexes parce qu'elles ont été construites à un moment donné pour répondre à une stratégie d'entreprise. Donc il faut aussi intégrer tout cela et faire migrer aussi l'approche SI dans tout ça. Et puis accompagner, parce qu'il s'agit là de finalement d'une mutation, c'est exactement ça, c'est une mutation permanente. Et la conduite du changement, l'accompagnement, la conduite du changement, finalement, on sait quand elle démarre, mais elle se termine jamais. En tout cas, c'est l'expérience. Moi, j'ai pour habitude de dire dans mes interventions, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est le principe du digital. Est-ce que ça répond à ce que tu viens de dire sur l'accompagnement, c'est-à-dire rassurer les gens aussi, parce que le digital, entre guillemets, fait un petit peu peur. Hein. Ça paraît très proche, très loin, très gros, très inaccessible parfois. Et est-ce que c'est aussi l'idée de se dire aux gens, vos acquis, vos compétences, vous ne les perdez pas, on ne remet pas les compteurs à zéro. Tout ce que vous savez aujourd'hui va vous servir demain. Il faut juste utiliser l'outil digital pour y arriver. En fait, il faut capitaliser en effet sur les compétences qui existent, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et s'appuyer sur celles-ci pour en développer en fait de nouvelles. Et finalement, aujourd'hui, on est plutôt dans une logique où on est en développement permanent en fait, des compétences. On est dans une logique de développement personnel, de développement professionnel en fait, constamment, parce que tout bouge vite. Enfin, on le sait, on ne va pas le rappeler naturellement. Mais on doit intégrer cela. En fait, on doit intégrer l'effet de rapidité, de vitesse en fait, de cette mutation. Et on doit l'intégrer dans nos organisations et dans la migration finalement de nos ressources. Et la logique, et j'insiste beaucoup parce que finalement, au travers de mes différentes expériences, alors que ce soit tourisme ou FNAC aujourd'hui, et surtout en fait les intérieurs, on a vraiment, vraiment pris en charge cet accompagnement en fait de l'humain pour pouvoir réussir en fait nos projets. C'est un facteur clé de succès qui est fondamental. Sans l'homme, en fait, on ne fait rien. Sans les équipes, on ne fait rien. Donc c'est presque déjà la conclusion de la. C'est le digital, c'est très humain, hein, bizarrement à ce qu'on croit. Et ce qu'on dit en rigolant souvent entre nous, c'est que non, les jeux vidéo ne donnent pas l'épilepsie. Hein. C'est comme le digital, c'est pas juste des machines qui parlent à des machines. La preuve, c'est qu'on vous parle à vous et que, à première vue, vous êtes tous quasiment humains. Ouais, je crois. Donc, Karine, pareil, même punition. Alors, moi, j'ai plusieurs mots. J'ai même pris mes fiches, hein, mais je te promets, Karine Drucker, je suis pas trop tendue. Ces petites fiches. Non, je te charrie, j'ai fait exprès. Alors, il y a trois mots et après je les développe très rapidement, promis. Envie, je ne vais pas dire le mot en anglais qui est crowdsourcing, alors exprès, je veux dire co-création. Et puis surtout, en fait, on va être sur la... Comment ? Envie, co-création, passion. Voilà, c'est t'as passion fiches, qui va... Non, parce que... En fait, j'ai mis plein de mots. Non, mais je vais vous les dire parce que là, ce mot, c'est l'opiniâtreté. Hein. Voilà. Il y en a plusieurs, mais j'en réserve pour mes collègues. Alors, pourquoi envie ? C'est clair que si vous n'êtes pas passionné, que vous ne vous levez pas le matin en disant « Bon, bah, allez, je vais aller parler du digital, je vais aller parler d'Internet », de choses auxquelles vous croyez profondément, et j'utilise des mots très forts, parce que c'est comme... je ne vais pas lui piquer son mot, mais il adore ça, être évangéliste, hein, c'est partir... y croire, même quand vous sentez seul, hein, vous avez des grands moments de solitude quand vous parlez de nouveautés. Alors je ne parle pas seulement du digital. La croix est parfois très très lourde à porter. C'est à moi que tu dis ça, ouais. Mais effectivement, voilà, il faut avoir envie. Ensuite, au-delà de l'envie, après, c'est de trouver des gens qui vont adhérer et qui vont co-créer. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, et je me permets juste de donner ce petit exemple, parce que dans l'assurance finance, on pourrait y revenir tout à l'heure, il y a quelques années, quand je disais bientôt, on va co-créer avec le client. Non mais ça va pas, non, on va pas laisser le client co-créer nos produits quand même, on est nous assureurs financiers. Mais je dis si, un jour ça arrivera. Et c'est vrai que le secteur de l'assurance et de la finance est arrivé après. D'autres secteurs ont commencé déjà à co-créer avec les clients. C'était impensable il y a quelques années. Et le dernier point en fait que j'évoquais tout à l'heure, si tu as suivi, tu te rappelles le troisième, c'est quoi ? C'est opiniâtreté. Opiniâtreté. Et je le prononce très mal. Exactement. Et bien c'est s'accrocher.
Voilà. Donc vraiment, persévérance, c'est persévérance ouais. Et pas lâcher même quand on a énormément de détracteurs. Ça, c'est. Ouais, c'est comme on dit dans Koh-Lanta, on lâche rien. Ah ben, on lâche rien. Voilà. Voilà, avec passion toujours. Très voilà. Nicolas, François, vous pouvez vous interrompre. Hein. Alors, je vais commencer par un mot tout simple, c'est le mot objectif. On ne va pas sur le web pour faire du web, on ne va pas sur le web pour faire du digital. Il faut dès le départ savoir quels sont les objectifs stratégiques de l'entreprise. Sinon, vous allez partir dans un truc, mettre le doigt dedans, et très rapidement, vous faire des croche-pattes tout seul. Donc, le web n'est pas une excroissance, c'est intégrer l'entreprise. Et si vous ne vous posez pas la question de quels sont les véritables objectifs business derrière, ça deviendra une verrue. Deuxième chose, l'intégration multicanal. Le web, c'est pas quelque chose d'en dehors de l'entreprise. Il se trouve que beaucoup d'entreprises ont commencé le web en se disant, tiens, à côté, il y aura le .com. Voilà, il y aura le .com ou le .fr. Et on va faire une équipe et puis ils vont faire leur petit truc dans leur coin parce qu'ils sont bizarres de toute façon. Un peu comme le marketing, hein, parfois. Et parfois, d'ailleurs, on les mélange. Les gens du web, c'est les gens du marketing, un petit peu, quand on ne sait pas où bien les ranger. Donc, on fait une espèce de réserve plus ou moins naturelle. Ouais. Et puis, un jour, on se dit, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Ça peut vous faire rire, mais j'ai discuté récemment avec le dirigeant d'une très grande entreprise internationale. Et ils en étaient là, à se dire, qu'est-ce qu'on fait du web, en fait ? C'est quoi ? C'est du marketing, du commercial, c'est... Voilà. Ils ne se sont pas posé la question au départ, et maintenant ils sont bien embêtés, ils ne savent pas comment y jouer. Voilà. Donc objectif, qu'est-ce que je vais en faire du web ? Multicanal et pédagogie. Pédagogie parce qu'effectivement le web c'est bizarre. C'est des gens bizarres, mais c'est quelque chose que notamment vos dirigeants, la plupart du temps, ne connaissent pas. Ça s'appelle la pyramide hiérarchique qui ressemble souvent à la pyramide des âges. Qui fait que le web, ça apparaît surtout comme un nid à jeunes loups qui viennent vous marcher sur les pieds avec des disciplines que vous ne maîtrisez pas. Alors soit vous en faites des amis, soit vous en faites des ennemis. S'il n'y a pas ce travail de pédagogie, déjà sur les dirigeants, sur les collaborateurs bien sûr, mais surtout sur les dirigeants d'abord, le web apparaîtra toujours comme une chose bizarre. En fait, en résumé, tant qu'on n'a pas convaincu les dirigeants et qu'eux-mêmes ne sont pas convaincus, il n'y a pas vraiment de stratégie et du coup les entreprises ne peuvent pas avancer dans le web. Ça commence par là. Enfin, François, je suppose que vous êtes confronté à ça à la FEVAD assez souvent puisque la FEVAD elle a évolué au fil du temps. Vous étiez un des précurseurs avec la vente à distance, si je peux me permettre, c'est ça ? Oui, enfin nous on accueille des entreprises, donc on ne s'occupe pas de la façon dont les entreprises se gèrent ou se transforment. Mais je crois que le numérique c'est un chantier de transformation qui est monstrueux, qui est absolument énorme. Donc il faut, comme ça a été dit, et on l'a vu dans la vidéo de Burberry's, il faut que le patron ou la patronne soit complètement convaincu et impliqué, et comme dans tous les conduits du changement, répète systématiquement, convainc systématiquement. Alors c'est très dur parce qu'on change non seulement en interne la façon de travailler, on change la pyramide hiérarchique, comme ça a été dit, on change l'organisation, mais on change les concurrents. Pour parler de la FNAC, moi j'y ai travaillé, donc j'en parle plus facilement, j'y suis plus que Tina, mais la FNAC, avant le numérique, était leader, archi-leader, face à des petits libraires, des petits disquaires et des magasins comme Darty, Boulanger, bon, qu'elle maîtrisait. Avec le numérique, elle devient concurrente d'Amazon, d'Apple. On change d'échelle complètement. Donc non seulement dans la société, il faut une organisation, mais le monde concurrentiel devient tellement énorme qu'il fait peur. C'est pour ça qu'il y a 8 ans, il y avait un directeur commercial à la FNAC, magasin, c'était séparé, qui disait « Mais non, c'est pas les mêmes clients ». C'est pas les mêmes clients, ceux du magasin et ceux du web. Et pourquoi il disait ça ? Parce que ça le protégeait. Parce que bien évidemment, s'il se passait déjà ce qui arrive maintenant, c'est que le client arrive en magasin en connaissant l'information du web, en l'ayant sur son portable, mais tout change pour le métier et c'est excessivement difficile. Donc c'est pour ça que c'est un chantier difficile, parce qu'on dit aux gens d'abandonner la façon de travailler pour quelque chose qui est nouveau, qu'on ne maîtrise pas tellement, qui est changeant et avec une concurrence absolument redoutable. Dans la distribution, l'impact d'Internet est vraiment redoutable. Donc c'est un énorme chantier, il faut, comme ça a été dit, mais je crois que la vidéo de Burberry est très bonne. Hein. Il faut un patron, comme la dame qu'on a vue, qui est déterminé et qui le répète tout le temps. Oui, et puis elle va au-delà même de dire simplement « vous devez ». Elle dit deux phrases impressionnantes hein, pour une marque comme Burberry qui est bicentenaire, hein, on va le dire hein, presque. Donc c'est pas n'importe quelle marque et qui porte un poids historique, hein, ils en parlent. Mais on va pas revenir tout le temps sur Burberry, mais simplement elle dit deux choses pour une PDG d'une boîte importante. Elle dit «
vous devez, mais aussi si vous ne le faites pas, je ne donne pas cher de votre modèle business dans 5 ans. C'est très important comme phrase. C'est une phrase qui devrait rentrer dans la tête de tous les PDG aujourd'hui. Ça veut dire que si vous ne vous tournez pas vers le digital, déjà, vous allez vous faire surconcurrencer, et puis vous allez être en retard, et puis un jour ou l'autre, peut-être, votre modèle business va éclater, et vous allez vous retrouver à avoir des gens qui diront ben, « Mes clients du web et les clients du physique, ce n'est pas la même chose, donc je ne les considère pas pareil, et je perds la moitié de mon chiffre d'affaires, ou alors je fais des bêtises, et on pourra y revenir tout à l'heure sur le web, je dis n'importe quoi, je contredis les valeurs mêmes de mes clients, comme le fait Abercrombie en ce moment, qui fait n'importe quoi avec sa marque. Je vous laisse regarder le buzz négatif qu'ils ont à vivre en ce moment, qui est assez difficile pour une marque comme eux. Voilà, donc ça peut arriver. Alors je prends cet exemple-là, j'ai rien contre eux, mais voilà, c'est pour marquer le fait qu'il ne faut pas dire n'importe quoi sur le web, encore une fois. C'est vrai, mais c'est beaucoup plus facile quand même pour Burberry's que pour Carrefour ou pour Darty. Hein. C'est plus facile pour une marque qui contrôle ses produits, son circuit, etc., que pour un distributeur qui vend des produits à marque. Bien sûr. Et justement, donc, François, tu avais trois mots. Bah, c'est l'implication du PDG, donc avec une vision, effectivement, d'emmener les gens et leur dire où on va. Ce qui n'est pas facile, encore une fois, parce que ça change. Hein. Qu'est-ce que sera l'usage du mobile dans 3 ans? Personne ne sait bien. Et c'est comme tout gros conduite du changement, c'est-à-dire l'insistance, la persévérance, comme l'a bien dit Tina, à poursuivre sur cette route vraiment et d'impliquer tout le monde et de prendre tout le monde avec soi. Bruno. Merci François. Alors, transition toute faite par rapport à Carrefour, mais j'y reviendrai. Juste un mot peut-être sur le digital déjà. Alors, digital vient de digit. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier ouvrage d'un certain Michel Serres. Il appelait cet ouvrage Petite Poussette. Voilà. Et en fait, il décrit l'expérience de sa petite fille qui utilise un BlackBerry avec les 2 pouces. Et c'est en cela que le digital est totalement humain, bien évidemment, puisqu'il y a une dimension tactile. On parle d'heptatique, enfin, je ne rentre pas dans le détail. On utilise les doigts au quotidien avec ces outils. Petite parenthèse, donc oui, le digital, effectivement, est avant tout, pour moi, une vraie mutation sociétale et donc qui concerne l'humain dans sa totalité. Les trois mots, oui, je suis assez d'accord avec vous. Vision stratégique. Après, j'aperçois Patrice dans la salle, un ancien collègue. Je pense qu'on avait eu, à l'époque, je pense, la chance chez Carrefour, pour faire la transition avec Carrefour, finalement de créer un espèce de sentiment d'urgence. Patrice, tu t'en souviendras, à travers notamment un ouvrage, pareil. On avait utilisé un consultant qui s'appelait John Cotter, qui avait écrit, tu te rappelles, Panique sur la banquise. Je crois qu'on en était là à l'époque, en 2009. Il fallait vraiment qu'on crée ce sentiment de panique. Que le management se l'accapare complètement, se l'approprie, ce qui a été fait, puisqu'on a quand même mené, je pense, hein, tu me contrediras, mais une vraie révolution à l'époque chez Carrefour, dans le bon sens du terme, au sens de 360 degrés. Et donc, premier point, vision stratégique, ensuite, créer ce sentiment d'urgence, et puis après, effectivement, Karine le disait, oui, moi, on a porté notre croix, je joue les évangélistes depuis maintenant quelques années, j'y ai laissé quelques kilos, quelques rides, etc. Bon, mais ce n'est pas fini, je continue, c'est une vraie croisade pour arriver à convaincre déjà en interne, effectivement, de l'intérêt du digital. Chez Carrefour, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout de suite compris que pour y parvenir, alors maintenant ils font machine arrière, c'est autre chose, mais à l'époque, en tout cas, nous on était convaincus, avec les dirigeants de l'époque, qu'il fallait qu'on crée, entre guillemets, une espèce de marque globale. Donc au-delà des objectifs, on va dire, commerciaux, stratégiques, on avait déjà des objectifs de branding à l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens Patrice, mais on voulait faire de Carrefour une marque globale sur le digital et on observait que finalement on avait un morcellement de la marque, des marques ombrelles avec à l'époque Booster, enfin moi je suis arrivé juste après, heureusement, Carrefour Online ou Shop. Et en fait j'ai refondu ça, j'ai proposé one brand, enfin une marque, une seule URL par pays, on a tout refondu, l'activité non-al, alimentaire, service, j'avais en charge le marketing de ce qui s'appelait la partie retailing services à l'époque, et on a complètement construit cette direction multicanal, alors à l'époque, pardonnez-moi, on l'appelait multicanal, mais dans cette volonté d'être à l'écoute d'un client, dans une volonté donc 360 degrés, dictée par les besoins du consommateur et ses nouveaux besoins. Donc moi, je pense que le déclencheur, c'est effectivement l'évolution du consommateur, et donc être capable d'y répondre. Je n'ai pas été trop long. Donc en fait, si on résume, il y a des termes qui sont ressortis, on va très vite basculer vers autre chose, mais si on résume bien, il y a 3 mots lead qui deviennent récurrents dans le digital. Il faut avoir clairement une vision et une stratégie, hein, on peut les mettre ensemble. Hein, tant que vous n'avez pas de vision et la stratégie associée, voilà. Il y avait une conférence de l'EBG récemment qui annonçait 95% des sociétés
en France sont convaincus qu'il faut aller vers le digital. Et puis après, ils sont mis à manger. Donc, ils ont juste oublié de nous expliquer, sur les 95%, combien de sociétés ont réellement déployé une stratégie dans le digital de façon concrète, une mise en œuvre. C'est bien d'être convaincu. Moi, je suis convaincu que le rose est une très jolie couleur. Ce n'est pas pour ça que j'en porte tous les jours. Voilà, donc c'est pareil. Je pense que, encore une fois, ce matin, je disais dans l'interview, je ne parle pas de retard de la France pardon, au niveau digital. Je pense qu'on a des très, très belles réussites. Hein. On peut le citer, des marques comme Deezer, comme Dailymotion, etc. On peut avoir vraiment une fierté autant e-commerce que digital. Dans le monde entier, on est loin d'être à la traîne. Mais à l'inverse, nos entreprises sont assez frileuses à mettre en œuvre quelque chose. Elles se cherchent souvent plein de fausses excuses pour ne pas y aller tout de suite. Et ce que je disais à Angela Arendt tout à l'heure, alors je vois François qui se poursuit, donc si tu n'es pas d'accord, François, au contraire. Mais voilà, après, ça y vient. J'allais dire qu'on est dans un axe total de progression, c'est au contraire très positif, ça veut dire qu'on a une autoroute devant nous pour progresser. Ce que je voulais dire en deuxième terme, c'est qu'à première vue, vous êtes tous d'accord pour dire qu'il faut éduquer hein, clairement les gens, leur apprendre ce que c'est le digital. On n'a pas prétention de le faire aujourd'hui vis-à-vis de vous, mais aussi de quelque part, non pas d'inculquer quelque chose, de n'être pas un professeur, mais plutôt de porter une parole, une bonne parole, d'être convaincu, encore une fois, ça rejoint le premier terme. Et il faut tous les matins se relever et remettre sur l'ouvrage ce qu'on a fait la veille. Et ça peut être épuisant, mais on y arrivera. Voilà. Et puis, si on résume, il faut, ça va nous servir de transition, il faut se servir de cet outil. Et ce qui vous lie tous quasiment, marques, distributeurs, associations, etc., c'est qu'aujourd'hui, on est passé presque d'un univers mono-bicanal à un univers omnicanal, en fait. Le digital a ouvert toutes les possibilités. En fait, c'est plus qu'un outil, ce sont des associations d'outils. C'est une, moi j'aime bien utiliser le terme, je dirais si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est une stratosphère aujourd'hui. Le e-commerce était le mot entre guillemets à la mode des années 90. Et puis en ce moment on parle beaucoup de m-commerce, de mobile. On parlait un petit peu de f-commerce il n'y a pas très longtemps hein, grâce aux réseaux sociaux, au social business. Mais en fait tout ça est imbriqué, c'est un jeu de Lego. Et en fait tout ça forme le digital et puis on en oublie certainement. Donc aujourd'hui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est le passage au côté concret de la chose. Comment vous vivez ce passage justement à l'omnicanal dans vos sociétés, respectives. Tina, tu vois, clairement, la révolution digitale et commerciale pour un distributeur spécialisé, aujourd'hui, c'est quoi? Alors en fait, c'est plein de choses, mais en effet, tu as employé le terme, c'est l'omnicanalité. Je pense qu'aujourd'hui, on est entré dans un nouveau cycle, au-delà de la logique multicanale, au-delà de la logique cross-canal dont on parle depuis pas mal de temps maintenant, on est réellement en fait, dans une optique d'omnicanalité. Alors ça rejoint le sujet en fait, de la vision, mais globalement sur l'approche en fait, multicanale dont on parle depuis longtemps, l'approche multicanale, finalement, c'est on a les canaux, et on essaie de les faire vivre, et on essaie surtout de faire en sorte qu'ils ne se cannibalisent pas. Donc multicanalité, globalement, c'est plus ou moins équivalent en fait, à une approche en, fait, en silo. Ce qui suppose derrière quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a aussi les systèmes qui sont organisés en, fait, en silo. Ensuite, on a l'arrivée, je dirais, de la cross-canalité. On est en plein dedans. Enfin, il y a plein d'entreprises, en tout cas pour celles qui veulent migrer, sont en train de se dire, oui, bon, ok, j'ai un réseau physique, j'ai un réseau online qui est bien structuré, qui est super puissant, etc. Mais mon client, il est partout. Mon client, il est le même, en effet, qu'on aille en magasin ou qu'on aille en fait sur Fnac.com, en l'occurrence, on a affaire aux mêmes personnes, plus ou moins, avec des profils ou des comportements qui peuvent être sensiblement différents, bien sûr. Donc on est en train, dans cette approche de cross-canalité, de créer finalement ou développer les synergies en fait, qui vont favoriser ce transfert d'un canal en fait, à un autre et surtout essayer de faire en sorte que le client il puisse bénéficier des avantages de l'ensemble de ces canaux. Et aujourd'hui, on est plus en train de préparer in fine l'approche d'omnicanalité parce que le client, dans son évolution, dans sa mutation, parce que les technologies en fait, ont évolué, se situe au cœur de tout ça. Le client, il est omnicanal, il est multi-device, il est multi-tout globalement, il est partout, tout le temps, etc. Donc pour une enseigne, essayer de le cerner, c'est compliqué.
enfin voir, je vais pas dire que c'est impossible, mais parce que rien n'est impossible, mais en tout cas c'est compliqué d'orchestrer tout un dispositif de marketing, de communication, de distribution, de commerce qui puisse nous permettre justement de cerner ce client. Donc l'objectif en fait de l'omnicanalité, c'est de pouvoir définir une stratégie, un dispositif opérationnel qui mixe des médias traditionnels, parce que digital n'exclut pas des médias traditionnels. L'un sert l'autre, donc justement pour cerner et servir en fait ce même client. Donc on a à redéfinir tout un mix de marketing et communication. Donc on a des réallocations budgétaires naturellement, des évolutions de ressources, de compétences, etc. On ne fait pas les mêmes métiers en marketing aujourd'hui qu'on les faisait en fait il y a même 5 ans. 5 ans de ça, on n'avait pas en fait les mêmes compétences, on ne recherchait pas forcément les mêmes compétences. Donc on a cela à orchestrer. Et on a un autre sujet à orchestrer dans cette approche omnicanal qui est hyper structurante et qui rejoint peut-être la conclusion, mais je ne vais pas la faire tout de suite. Naturellement, c'est sur l'approche data. Big data, etc. Bon, on parle beaucoup de big data en ce moment, donc je parlerai de data, en fait, tout simplement, parce que les entreprises ont toujours eu un enjeu autour de la data. Aujourd'hui, on assiste en effet à une profusion de data, notamment avec les médias sociaux qui nous donnent accès à pas mal d'informations qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on ne peut pas les intégrer directement, quoique dans quelques temps, quelques mois, on aura des solutions qui nous permettront de développer des approches, ce qu'on appelle SRM, Social Relationship Management, notamment qu'on intégrera dans les logiques CRM. Mais finalement, cette approche d'omnicanalité, son FCS, son facteur clé de succès, reposera en fait sur notre capacité à faire converger en fait la data, qui quand même aujourd'hui est encore en fait en silo, elle est encore compartimentée. C'est l'enjeu des systèmes dont je parlais juste avant, mais la data, il faut la faire converger, il faut l'orchestrer, il faut essayer de travailler son potentiel pour qu'elle accompagne la performance de l'entreprise. Et surtout, tout cela, ça va être lié à quoi, cette data ? Ça va nous permettre, dans notre stratégie notamment, de mieux adresser en fait notre client et surtout de lui proposer une expérience qu'on souhaitera la plus fluide possible, ce qui n'est pas simple dans nos grosses, dans nos entreprises, qu'elles soient plus ou moins grande ou petite, peu importe. Tout ça pour favoriser cette expérience sans couture, sans rupture. Alors quand on en sera à la logique d'expérience sans couture, sans rupture, je pense qu'il se sera passé quelques années quand même, parce que c'est un chantier quand même de très très longue haleine et Bruno en parlera très très bien. Donc voilà, donc on est dans cette ère finalement, on entame un troisième cycle qui est celui vraiment de l'omnicanalité avec des enjeux qui sont sensiblement différent par rapport au précédent, avec au cœur le client naturellement, c'est notre stratégie à la FNAC, hein. Le client est au cœur, l'adhérent est au cœur naturellement, et l'orchestration de tout ce dispositif d'information qui est assez complexe. Donc ce serait ça, ce fameux Web 3.0 dont on parle, parce que moi j'ai l'impression, et j'affichais un slide sur les réseaux sociaux, parce que je me disais, en tant que client, et vous allez répondre comme vous voulez, et puis messieurs, mesdames dans la salle, n'hésitez pas à intervenir encore une fois, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une première époque qui était l'arrivée ou l'avènement du e-commerce. Et puis après, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que l'arrivée des réseaux sociaux a créé cette forme d'omnicanal. D'un seul coup, les gens pouvaient parler partout, quasiment se dire on pouvait. Alors, il y a eu des tentatives. Hein. On a vu Facebook a essayé de vendre en ligne. Voilà. Mais j'avais l'impression, moi, en tant que client utilisateur, que c'est l'arrivée des réseaux sociaux qui a ouvert la multicanalité. Alors, peut-être que je me trompe, mais est-ce que ça a généré plus de multicanalité ou pas ? Je peux répondre. Non, moi, je vois plutôt une évolution différente du marketing, du web, et là, ce que tu décris, qui sont en fait la partie channel, donc la partie plutôt canalité. En fait, c'est le même passage. C'est vrai qu'on pourrait leur donner des numéros, du versionning, multicanal, cross-canal et omni-channel, mais ce n'est pas, à mon sens, le web 3.0 qui symbolise l'omni-canal. Je me fais l'avocat du diable. Hein. Non. Le Web 3, pour revenir là-dessus, mais rapidement, c'est deux choses qui convergent, les objets connectés, l'Internet des objets, et le web sémantique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça, évidemment, alimente, comme le rappelait Tina, tout le débat et tout le sujet autour de la data, mais ça ne va pas aider, à mon sens, à la transformation, notamment des distributeurs, vers l'omnicanalité. Comme l'a dit Tina, le commerce demain sans couture, seamless, alors c'est un terme qu'on utilise plutôt, là je pense à Karine dans les telcos en général, enfin, eux utilisent ça, on n'y est pas, ça c'est clair, c'est extrêmement difficile. Patrick, tu t'en souviens, chez Carrefour, on a essayé de construire des projets autour d'une expérience de client unique, client 360, c'est très,
tarte à la crème, passez-moi l'expression. On est, bon, on s'en souvient, on a tous voulu créer des espèces de comptes clients uniques où on allait être capable d'identifier depuis le web, en magasin, même à travers notre carte fidélité à partir d'un même ID, un client. Même ça, je crois qu'on peut le dire, on n'a pas réussi. Très peu d'acteurs aujourd'hui sont capables déjà d'identifier en amont la source, l'ID source d'un client. Ça va passer par là. Donc, moi, je ferai vraiment la différence entre l'évolution du marketing, l'évolution du web et l'évolution, finalement, des canaux de distribution. Mais je vais laisser François. Justement, en fait, tous les trois, autant ce que disait François tout à l'heure, je ne coupe pas François, je vais te donner la parole tout de suite, mais vous êtes tous les trois représentatifs de la distribution et de la grande distribution. Hein. Voilà. Ce qui est intéressant de savoir, peut-être aussi, c'est comment cette grande distribution a vécu cette évolution, en fait. Bon, Tina, c'est distribution spécialisée, excuse-moi, mais et, là, on a des c'est très proche. On a deux épiciers, donc voilà, donc voilà, et de très beaux épiciers. Je suis plus salarié de Carrefour. Donc, tu le fumes. Ouais. Donc, c'est intéressant de savoir comment cette grande distribution qui est très ancienne, hein, qui est presque le socle du commerce d'hier, a vécu cette transformation, encore une fois, cette mutation, et comment on fait pour devenir d'un épicier, entre guillemets, un pur player du commerce alimentaire comme Oura. Au sein de la FEVAD, je pense qu'il y a plein d'exemples différents, et Carrefour qui n'est pas vraiment un pur player, qui n'a jamais vraiment été, et qui du coup a pris le train en marche. Voilà. Le chemin, c'est celui qu'a décrit Tina, c'est-à-dire que ça a d'abord été des circuits séparés avec multicanal, et ensuite les gens commencent à aller de l'un à l'autre, mais ce qui pose, comme elle l'a dit, des problèmes monstrueux pour les entreprises, la première étant de connaître les achats. Un client qui entre dans un magasin qui paye cash, ben on ne sait pas ce qu'il a acheté. D'où toutes les cartes de fidélité, ça marche quand même pas mal. Hein. La raison des cartes de fidélité, c'est de suivre ce qu'achètent les gens et pouvoir accrocher l'achat magasin avec l'achat internet. Ça a l'air tout bête, mais si on ne sait pas ce que les gens ont acheté, etc. Et là, le client est, comme d'habitude, schizophrène parce qu'il commence à s'énerver quand le vendeur ne sait pas qu'il a déjà acheté un produit sur Internet il y a 3 semaines. Et il dit, comment ? Mais c'est la même maison, vous n'êtes pas au courant. Enfin, les gens ne supportent plus ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est des changements énormes à mettre en place pour les entreprises d'un point de vue informatique. On a un peu l'informatique et les entreprises qui courent derrière et le client qui en avance, qui considère comme normal. Un client, par exemple, ne supporte plus en magasin qu'on lui dise on n'a pas votre taille ou votre couleur, revenez dans 4 jours. Il ne supporte pas ça. Il dit, mais vous avez tout, vous me le commandez, vous me le livrez. Et donc, les entreprises, pour arriver à faire ça, c'est un développement informatique monstrueux, elles sont toutes fières. Or, pour le client, c'est vraiment basique. C'est le magasin, le fameux magasin de Desigual à Barcelone, où il y a des exemples par taille, et le magasin est conçu pour que on commande le produit, on le livre après. Donc, les gens vont très vite. Il y a une courbe de Gauss de l'apprentissage entre les gens qui en sont encore à l'âge de pierre, qui n'ont pas Internet, et puis ceux qui sont avancés. Et la difficulté pour les entreprises, c'est de satisfaire à peu près tout le monde, de ne pas être noyé, comme a dit Tina, sous le flot d'informations. Parce que mettre Facebook, là, c'est très gentil, mais on en fait quoi de savoir que vous avez dit du bien de tel livre ? Est-ce que le vendeur, quand il vous voit, il sait que vous avez du bien de tel livre dans Facebook, donc il va vous dire, bah, tiens, vous aimez bien tel livre, comment vous l'avez su ? J'ai regardé Facebook, enfin, vous imaginez la conversation. C'est juste infaisable. Donc il y a énormément de changements et on reboucle sur la question il y a une demi-heure. Pourquoi les entreprises ont du mal au numérique ? Mais parce que c'est excessivement compliqué. C'est des chantiers monstrueux d'un point de vue informatique. Et moi, je l'ai vécu à l'intérieur. Dans les entreprises, il y a eu le passage à l'an 2000 qui a fait une explosion du budget informatique. Et l'année d'après, il y a eu le passage à l'euro. Et tous les PDG de France et du monde entier, enfin en Europe en tout cas, ont dit alors DSI, bon maintenant c'est fini, on arrête, on se calme et on redevient des dépenses normales en informatique. Et pas de pot, après il y a le numérique qui arrive. Et donc ça fait des dépenses SI énormes et les DG vis-à-vis des dépenses SI en général, ils ne savent pas. Ils se retrouvent face à un gars qui dit il faut faire ça sinon tout plante. Donc il y a un moment de stress, on prend des consultants et puis après on dépend trop des consultants. C'est une angoisse terrible les budgets informatiques pour les PDG parce que c'est énorme et c'est une espèce de boîte noire et on met de l'argent. Donc c'est pour ça aussi que le numérique fait peur. Mais on ne le dit pas assez souvent d'ailleurs et c'est très intéressant. Et je vais laisser la parole après à quelqu'un du public. Mais il n'y a pas de web tant que vous n'avez pas branché la prise, en fait, tout simplement. Ce qu'on le disait tout à l'heure sur les... C'est ça, aujourd'hui c'est comme l'électricité. Et tant que vous ne branchez pas la prise, ça ne s'allume pas.
Vous aurez beau faire ce que vous voulez, mais tant que l'ordinateur ne s'allume pas, vous ne pouvez pas commander, et ainsi de suite. Donc la DSI, ne l'oublions pas, c'est le socle sur lequel repose l'ensemble du digital aujourd'hui, et sans elle, et il faut leur reconnaître ça, rien ne peut avancer. Et encore une fois, on parlait tout à l'heure de la conviction des dirigeants, mais il faut qu'ils emmènent avec eux et qu'ils embarquent avant tout effectivement les gens de la DSI pour leur dire bah, fais-moi un beau squelette, et une fois que le squelette sera prêt et que les prises seront allumées, bah, on pourra brancher, ça pourra fonctionner. Une question dans la salle. Oui, il y a de mon point de vue, Henri Perret, pardon, de Forrester, il y a un changement fondamental qui s'est passé avec l'arrivée d'Apple, qui a simplifié énormément. Et le consommateur ne comprend plus la complexité que vous avez dans vos entreprises. Et ça, cette espèce de gap qui ne fait que grandir, le consommateur est de plus en plus énervé, de plus en plus ne comprenant plus comment vous n'y arrivez pas, comment il se fait que ce gap, vous soyez plus capable de le combler. Et il met le doigt dessus maintenant. Il met le doigt dessus carrément sur des dysfonctionnements profonds de vos entreprises, de vos systèmes d'information. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote. J'ai pris l'Eurostar il y a 10 jours à peu près, et malheureusement je suis allergique au lait, et j'avais rempli dans mon profil que j'étais allergique au lait, donc j'attendais effectivement un plateau qui est arrivé malheureusement avec un produit qui m'a foutu malade. Et j'étais débarqué par les pompiers à l'hôpital sur le trajet de retour de l'Eurostar. J'ai donc envoyé un mail à la direction de l'Eurostar pour dire « Écoutez, je trouve quand même anormal. » Alors ils m'ont dit « On fait une enquête et on va engueuler la serveuse qui vous a servi le truc. » Je dis « N'engueulez pas la serveuse, ça ne sert à rien. Ce n'est pas elle la responsable. La responsable, c'est vos process qui sont vraiment à revoir. Et quand vous êtes au point de rendre les gens malades, de les envoyer à l'hôpital, je pense que vous avez de grosses questions à vous poser, y compris sur vos systèmes d'information qui sont non connectés. » Eh bien, c'est exactement ça. Et je pense que aussi, c'est du rôle des consommateurs de commencer à prendre le taureau par les cornes et d'envoyer un certain nombre de messages pour le faire. Alors, ce qui va se passer, c'est que les consommateurs vont avoir maintenant des outils extrêmement puissants, surtout quand ils ne seront pas entendus. C'est pas seulement d'aller sur le web social, mais on va trouver des outils maintenant qui vont pousser le consommateur dans le Web 4. Et le Web 4, ce sont des nouveaux outils qui vont vous envoyer des signaux quand vous ne les verrez pas et qui vont faire extrêmement mal parce que même le PDG verra sa paye baisser. Les hedge funds sont aujourd'hui à l'écoute d'un certain nombre de nouveaux outils qui ne sont pas uniquement les réseaux sociaux, mais ce qu'on appelle des activities social computing, qui vont envoyer des messages directement par l'intermédiaire de Bloomberg, qui collecte ces informations-là aux hedge funds et qui mettront la pression sur le prix de la market share, enfin le prix de l'action. Et donc vous verrez votre PDG arriver directement dans votre bureau 10 minutes après qu'une action de ce type-là aura été lancée pour vous dire qu'est-ce que vous faites. Non mais clairement, effectivement, on va y arriver très rapidement en fait, et vous le voyez. Le terme revient de plus en plus, en fait, au cœur de cette révolution digitale, et je ne vais pas vous lâcher au niveau de la question, donc je vais revenir là-dessus. Le client est devenu plus qu'un roi, il devient celui qui donne le là, en fait. Et c'est exactement ça. Il vous oblige à le suivre. À l'inverse, avant, vous lui suggériez des choses, vous le faisiez acheter des choses, et moi j'aime à le dire, alors peut-être j'ai tort, mais aujourd'hui je dis aux gens, surtout aux commerciaux, alors il y en a peut-être dans la salle aujourd'hui, je ne dis vendez plus des produits, soyez achetés. Et est-ce que c'est ce que vous vivez dans la grande distribution? Est-ce que c'est ça aujourd'hui, votre vision du digital? Est-ce que c'est une nouvelle considération de ce client qui, lui, vous prend un peu, entre guillemets, par défaut, en fait, hein? Alors effectivement, l'exemple d'Aura.fr est intéressant, puisque Aura.fr est un pure player, mais créé par des commerçants traditionnels. Donc c'est une grande force parce que au départ c'est une grande force car avant tout le e-commerce c'est quand même du commerce. Donc c'est savoir maîtriser les métiers traditionnels du commerce. C'est pour ça d'ailleurs que certains e-commerçants qui ont été très forts dans le e ont oublié les fondations du commerce et peuvent boire la tasse après quelques années. Parce qu'avant tout on est des commerçants. Mais ça a été une fondation importante. Mais ensuite il a fallu se construire et effectivement le web 2.0 a marqué une véritable bascule des rapports entre le commerçant, notamment traditionnel, et le consommateur. On a eu effectivement un schéma, souvent qui était un schéma unilatéral. On veut bien vous donner des informations.
on veut bien vous venir chez nous. On aime bien vous tenir en laisse, si possible. Et puis là, maintenant, on a un consommateur qui choisit, qui récupère l'information d'où il veut, qui échange sans besoin du commerçant et qui est totalement infidèle et qui sanctionne à une vitesse grand V les oublis du commerçant. Quand je dis les oublis, c'est oublier le client. Ça va extrêmement vite. Tout à l'heure, j'ai cité Alta Vista. C'était pas complètement par hasard. C'est pas si vieux que ça, tout ça. Alta Vista, c'était le Google de l'époque. À l'époque, tout le monde a cru que ça allait être le géant pour des dizaines d'années. N'oubliez pas que plus près d'ici, il y a eu effectivement des grandes entreprises digitales ou des grands e-commerçants qui ont disparu corps et bien parce que déjà, ils avaient oublié ces valeurs fondamentales. Donc aujourd'hui, c'est très très bien d'avoir des gens qui savent faire du commerce. C'est fondamental, on ne peut rien faire sans ça. Mais si on ne prend pas la mesure des bouleversements des rapports entre le vendeur et l'acheteur, on peut disparaître en deux temps, trois mouvements. On ne peut pas, dans l'absolu, on ne peut pas manager, je dirais, au rétroviseur. On ne fait pas le futur uniquement en regardant ce qu'on a fait dans le passé. Et c'est encore plus vrai avec le web. Parce que le web va extrêmement vite et a changé totalement la donne. Donc aujourd'hui, il est urgentissime pour tous les grands acteurs de véritablement remettre le client au centre de tout. Ça paraît être totalement évident. Quand je regarde la façon dont on travaille, même des grandes enseignes de e-commerce, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, la plupart des e-commerçants se regardent le nombril. Aujourd'hui, on décerne des prix à des e-commerçants qui n'ont plus de trésorerie, qui vont fermer demain. Donc il faut arrêter de penser en microcosme, il faut arrêter de s'auto-féliciter, il faut arrêter de se regarder entre nous et de se dire qu'est-ce qu'on est beau et qu'est-ce qu'on est fort. Il faut remettre le client au centre de tout. Nous, c'est vraiment notre philosophie. On parlait de réseaux sociaux. Le seul réseau social qu'on a mis en place chez Oura, c'est un réseau social auquel n'ont accès que les clients. C'est le réseau social où le client propose des idées, vote pour les meilleures idées et échange sur comment mettre en place ces idées. C'est ce réseau social qui a permis de mettre en place toutes les dernières grandes innovations de Oura au niveau M-commerce, au niveau fidélisation. Finalement, ce n'est pas nous. Ce n'est pas mon esprit pseudo-brillant, ce n'est pas les grands penseurs, ce sont nos clients. Et c'est ce qui a fait le succès. Tant qu'on aura cette philosophie, on continuera à aller de l'avant. Sinon, sans faire le grand prédicateur, il arrivera aux géants d'aujourd'hui ce qui est arrivé aux géants d'hier. Mais justement, est-ce que ce n'est pas justement très sain pour des gens qui sont dans la salle? Par exemple, on est tous des clients de quelqu'un ou de quelque chose. Est-ce que ça, justement, ça n'a pas rebattu les cartes en disant, entre guillemets, ça a renversé la puissance de feu? C'est-à-dire, à un moment, il y avait des grandes sociétés qui disaient, comme tu viens de le dire, on est puissant, on vous envoie des messages, de la pub, achetez-nous, on est les meilleurs du monde. Et aujourd'hui, un client, il a effectivement une capacité de nuisance et éventuellement aussi, il faut le dire, de félicitations ou d'accompagnement d'une marque aussi forte dans l'un que dans l'autre. On parle souvent de buzz négatif, mais il faut se rendre compte que plus un buzz négatif est fort, plus il vous démontre la puissance que vous, en tant que marque, vous pouvez avoir à lancer un message auprès de vos clients si vous les écoutez réellement et si vous avez non pas envie de leur vendre quelque chose, mais d'échanger avec vous. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous propose, je pense, vous clients et marques, d'échanger ensemble, plus de se dire bah, je te vends quelque chose, achète, point barre, ça s'arrête là. Et effectivement, comme disait Nicolas, une fois sorti du magasin, ou comme disait François, si je paye en liquide, on ne sait même pas qui tu es, puis d'ailleurs on s'en fiche un petit peu du moment que tu as à payer. Voilà. C'est un peu ce qui s'est, entre guillemets, on peut le dire, hein, sans faire de polémique, ce qui se passe aujourd'hui au niveau du. Ce qui s'est passé au niveau des e-commerçants, c'est que très vite ils se sont dit, bah, vu que le mec a mis sa carte bleue et qu'il a acheté le produit, la porte s'est refermée derrière lui. Ce qui se passe après, c'est une autre histoire. Donc, alors, il ne faut pas être totalement totalitaire là-dessus, mais clairement, je pense que ça rebat les cartes et on sera d'accord sur ça. Moi, ce que je voudrais, avant de reprendre une question, c'est avoir l'avis de Karine, parce qu'elle vient d'un univers qui nous parle différemment. On vient de parler de la grande distribution, de la distribution. On parle beaucoup en ce moment des services financiers, des banques en ligne, etc. À première vue, c'est un landerneau qui bouge beaucoup, si on peut employer le terme. Est-ce qu'aujourd'hui, pour une compagnie comme Allianz, c'est quoi la digitalisation au niveau de la vente, hein, parce qu'encore une fois,
On est là pour vendre à des clients, hein, in fine, ou en tout cas pour leur donner, apporter des services aussi. Et comment considère Allianz aujourd'hui, encore une fois, cet outil, et qu'est-ce que ça apporte justement à l'entreprise et aux clients, aux deux en fait? Alors pour nous, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la chance d'être un groupe dans 70 pays. Donc on bénéficie aussi de l'expérience des autres pays et fatalement, au niveau culturel, on ne va pas considérer le client de la même façon, même si Allianz, au niveau monde, nous dit bah voilà, la digitalisation, c'est l'axe majeur. Et là, 2015, il faut que vous soyez tous digitalisés. Donc c'est sûr qu'on a une feuille de route extrêmement ambitieuse. À l'heure où je vous parle, il y a un communiqué de presse d'ailleurs qui est parti, là, ça y est. Et donc, nous avons même à la tête du COMEX... Un scoop. Tu veux que je donne un scoop en live? Bah écoute, Karine. Nous avons une patronne maintenant qui est au comité exécutif pour prendre le digital et ce qu'on appelle chez nous le market management. C'est d'aujourd'hui, là. Voilà. Tu peux dire qui c'est ou pas? On peut dire le CP est parti. Hein. Virginie Fauvel, donc la patronne d'Hello Bank. Donc, pour vous montrer que c'est un signe très, très fort. Paris, Paris. Voilà, Hello Bank, la nouvelle banque qui sort là, le 17 juin. Elle est arrivée pour pouvoir, elle, chez nous, mettre en place, je dirais c'est un signe très fort pour nous, mettre en place l'ensemble du digital et accompagner toute cette transformation. Parce qu'en fait, c'est vrai que notre groupe, et là je ne parle pas que pour la France, on embrasse totalement le digital dans toutes les fonctions. Moi, je le vois, j'ai vu l'évolution, je suis arrivée il y a 13 ans, puisqu'on est là aussi, pas uniquement pour parler de l'entreprise elle-même, mais de nos expériences à travers l'ensemble des sociétés. Donc quand je suis passée de l'aérien au telco, j'ai l'impression que les révolutions se font par paliers. Donc on passe d'états qui deviennent stables et après, hop, on se retrouve dans un flou un peu artistique où les gens, comme dans toute transformation, ne sont pas à l'aise. Et là, c'est l'état dans lequel on est, comme on était en 94, 95, 96. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que cette transformation étant profonde, on fait rentrer ce digital comme à l'époque... Ça vous paraît peut-être trop simple ce que je vais vous dire, mais à l'époque, c'est comme si je vous disais, on va rentrer le téléphone dans l'entreprise. Je suis allée sur les plateformes, il y a encore 15 jours, je disais à Nicolas, écoute, je ne peux pas venir te voir parce que je suis à Tours, Toulouse. On m'a demandé en urgence d'aller voir des équipes. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez peut-être dû entendre parler, là je parle au nom des assureurs et pas d'Allianz. Hein. Là, je suis très, j'ai un esprit d'équipe au niveau du métier et du corps, un esprit de corps. On a, en tant qu'assureur financier, une mauvaise image. Faut pas se le cacher, hein, avec toutes les mentions légales qu'on met en tout petit, etc. Non, mais bon. Eh ben, il faut vraiment, à nous, en tant que... On a un lobby très fort au niveau des associations, parce que même si les assurés pensent qu'on est assis sur des tas d'or, on fait à côté de ça énormément d'efforts pour pouvoir rechercher, ne serait-ce qu'il y a eu une émission sur les bénéficiaires de contrats en déshérence. Hein, je ne vous cite pas, mais c'est du concret, là. C'est-à-dire... Mais je peux vous dire que l'ACP, au niveau réglementaire, on est très, très, très contrôlé, hein, et on regarde effectivement où est-ce qu'on en est, est-ce que tous ces contrats, finalement, ont des bénéficiaires. Et je peux vous dire que les employés, à tout niveau et dans toutes les entreprises, utilisent tous les moyens possibles, y compris les médias sociaux, puisque j'ai dû accompagner des équipes pour leur expliquer comment utiliser Facebook pour aller chercher, parce qu'il n'y a pas meilleur annuaire que Facebook ou LinkedIn. Donc, ils utilisent ces outils pour aujourd'hui non plus uniquement faire de la pub, de la com. Donc pour répondre à ta question, où est-ce que ça rentre dans les process aujourd'hui, donc je vous cite cet exemple que sont les médias sociaux, c'est également utilisé non pas pour du sponsoring ou de la pub et faire du like, j'aime pas, mais c'est pour dire il faut absolument qu'on mette la main sur le bénéficiaire de ce contrat parce que ça fait des mois qu'on n'arrive pas à trouver ce bénéficiaire. Et nous avons eu les premiers bénéficiaires trouvés grâce à Facebook. Je veux dire, ça paraît incroyable. Moi, je suis super contente parce qu'en fait, j'ai l'impression de faire rentrer dans l'entreprise voilà, le téléphone, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Donc, c'était l'exemple des médias sociaux. C'est en rapport avec l'image qu'on vient d'afficher, effectivement. Les réseaux sociaux ont remplacé pas mal de choses, en fait. Donc, hein. Là, c'était une anecdote sur un aspect où... Donc, on rentre en profondeur dans tous les métiers de l'entreprise. Ça s'accompagne également, bien entendu, donc. Étant donné que cette personne qui est arrivée chez nous a, bien entendu, une stratégie, une vision, etc. Mais ça veut dire qu'il y a toute l'organisation qui doit changer, tout l'accompagnement. Moi, quand je parle aux collaborateurs de la société, je leur dis, mais moi, je ne vous demande pas d'ouvrir un compte Facebook ou Twitter. Moi, je vous demande de comprendre dans
quel univers est le client aujourd'hui ? Dans l'univers de l'instantanéité. Voilà. Moi, en sortant, même la première, hein, j'ai Facebook pour regarder comment ça se passe. Mais je passe pas ma vie sur Facebook. J'adore Twitter, si je trouve ça sympa. En revanche, il est clair qu'il faut, pour comprendre, bah, mettre les mains dans le cambouis. Bah, il faut aller tester tous les outils. Puis demain, il y aura peut-être Totomoto. Il y aura un outil spécial pour les deux roues. Et nous, en tant qu'assureurs, bah, il faudra peut-être qu'on y soit. Bah, j'irai dire aux gens, va regarder à quoi ressemble cet outil. Donc, c'est d'être curieux dans tous les niveaux d'entreprise, dans toutes les fonctions. Et pour rejoindre ce que disait Tina sur le social CRM, moi, je suis très alerte sur tout ce que tu parlais tout à l'heure d'indicateurs. Nous, dans notre jargon, on est sans cesse à l'international, on nous dit, je vais vous donner le mot qui est KPI. On est regardé tous les jours sur l'entreprise, sur ce qu'elle fait. Donc, les key performance indicateurs, ce sont nos indicateurs à nous. Et dans l'assurance finance, fatalement, souvent, on nous dit, bah, combien ça rapporte ? Bah oui, mais là, ça rapporte de façon indirect. Et ce que j'aime surtout, c'est de challenger les équipes et leur dire, mais de plus en plus, les entreprises, si vous voulez qu'elles durent, je vous reprends l'exemple de l'entreprise dans laquelle je travaille, ça fait quand même 124 ans, alors certes, il y a eu des rachats, etc., mais elles durent. Et moi, je dis, si vous voulez demain que l'entreprise, elle dure et qu'elle soit encore la même dans 30 ans, ben, ça veut dire donc transformation, mais ça veut dire aussi commencer à étudier des nouveaux indicateurs qui ne sont pas rationnels. Exemple, les bruits négatifs, positifs, neutres. Mesurer le sentiment. Ah, qu'est-ce que j'ennuie quand je dis, bon, alors maintenant, on va mesurer ce que les gens ressentent. Ah oui, les insights. Ce que les gens ressentent, c'est de l'émotion. Eh bien, ce que veulent les entreprises, si elles seront là demain, si elles seront là encore dans 30 ans, grâce au digital, on arrivera à mesurer ce que les clients ressentent. Et là, on sera capable de peut-être apporter un meilleur service ou un produit complémentaire en fonction de ce que le client a souhaité avoir. Donc voilà, c'est comment je fais le lien avec toute l'entreprise, avec tous nos métiers. Est-ce que les gens reçoivent les clients quand ils malpaquent parfois sur Twitter, ils parlent. Les gens reçoivent les clients quand ils malpaquent parfois sur Twitter, ils parlent même pas à Allianz, ils me disent Karine, je voudrais trouver la porte d'entrée. C'est peut-être la clé de demain, en fait, c'est de s'approcher des valeurs des gens et d'arrêter de simplement leur demander ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ta carte bancaire et combien tu gagnes à peu près. Est-ce que tu es CSP++ ou est-ce qu'il y a une question Moi, je voudrais poser une question. Vous pouvez prendre les autres, hein, de lever les doigts, n'hésitez pas. Je voudrais une question pour chacun d'entre vous et j'aimerais que vous soyez vraiment très francs. En fait, on s'aperçoit que pour vous mettez tous le client au centre de votre stratégie digitale, etc., etc. Très, très bien. Pour que le client devienne un fan, il faut en fait que le client se reconnaisse dans ses valeurs à lui, dans votre entreprise. Donc, je vous pose la question très franche. Quelles sont vos valeurs ou les valeurs que votre PDG a mis en place et a mis effectivement des KPI pour les mesurer ? Merci. Les valeurs qu'on a, là vous voulez les mission value. Ok, donc on est. Alors, je commence. Non, bon, soyez tous francs, c'est demandé dans la salle. Hein. Donc, celui qui est pas franc. Bon alors, je vais pas tout citer, mais nous c'est vrai, c'est solidité, mais c'est surtout écoute des besoins et proximité. Nous, la force qu'on. Ah non non. Oh. La proximité. Alors la proximité, je peux vous dire. Faut pas confondre votre cas personnel avec tout le monde, monsieur. Hein. Non, non, mais... Moi, vous m'avez posé une question, donc je vous dis avec honnêteté, et vous savez, le meilleur feedback maintenant, avant, on disait que c'était seuls les commerciaux qui étaient en contact avec les clients. Aujourd'hui, tout collaborateur est en contact avec le client. J'ai quelques projets sur lesquels je suis, dont Twitter. Eh bien, je peux vous dire que les clients, quand ils vous donnent le feedback directement, parce que même si ce n'est pas Allianz, mais c'est Karine Lazimi qui va aider un client en ligne parce qu'il va se permettre d'aller sur la timeline de Karine Lazimi personnelle. Et que je lui dis, je vais faire le maximum pour vous réintégrer immédiatement dans l'heure, dans le processus de l'entreprise. Et que vous avez en live un client, je ne sais pas qui il est, moi je ne le connais pas, mais qui me dit merci, c'est vraiment génial. Ou que d'autres de l'entreprise sont remerciés publiquement parce qu'ils ont eu immédiatement une réponse. Que veulent les gens ? C'est de l'instantanéité, c'est de la proximité. Donc nous, nos valeurs, effectivement, moi je vous le dis avec honnêteté, et on se bat tous là-dessus, c'est bien entendu, au-delà des valeurs classiques, corporate, solidité, etc., c'est la proximité. C'est notre lien qu'on va avoir avec les gens, c'est ça. Mais je crois que même au-delà, et je vais laisser la parole après, mais et je pense que peut-être que ce que Tina va dire, mais au-delà de l'instantanéité, je pense que tous les clients veulent une réponse, déjà. Partons de là. Déjà qu'on leur réponde. Voilà. Oui. Le gros défaut, c'est de ne pas leur répondre. En fait, de mon point de vue, il y a les valeurs des individus, enfin, des uns et des autres, globalement.
et il y a les valeurs d'une entreprise. Et je pense que fondamentalement, c'est pas tant le lien entre les valeurs d'un individu et les valeurs d'une entreprise, parce que naturellement, c'est différent. Enfin, les valeurs de la FNAC sont naturellement différentes en fait des valeurs de chaque individu, parce qu'on a tous en fait des individus, des valeurs en fait différentes. Je termine juste mon point pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse. En revanche, là où le client se retrouve chez nous, en tout cas deux notions qui sont extrêmement fortes chez nous, c'est la passion et c'est l'innovation. En ça, aujourd'hui, les clients, enfin c'est ce qui a fait la force globalement de la FNAC il y a près de 60 ans, puisqu'on va sur nos 60 ans l'année prochaine quand même, ce qui a fait la force de l'enseigne, c'est ça. C'est proposer un large choix de produits, culturels, technologiques et autres, aujourd'hui, pour servir en fait le client, enfin le consommateur, le client et l'adhérent aussi, puisque chez nous, il est quand même extrêmement, extrêmement fort. Donc, nous, quand on parle, par exemple, si j'illustre juste le sujet côté médias sociaux, parce que c'est quand même un sujet complexe, se dire on va sur les médias sociaux et on y va comme ça, non, on ne peut pas décider du jour au lendemain d'aller sur les médias sociaux. Si on va sur les médias sociaux ou sur Facebook, pour ne citer que ce média-là, puisqu'il est quand même très important aujourd'hui, il faut avoir défini une stratégie, mais au-delà d'une stratégie, il faut avoir adopté, enfin, faut définir une posture d'entreprise. Ce qu'on va faire sur Facebook, ce ne sera pas ce qu'on fera sur un site e-commerce, parce que Facebook n'est pas un endroit où on doit vendre. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, finalement, la différence par rapport à avant, c'est que les médias sociaux peuvent nous imposer en fait d'adopter une posture qui est probablement différente de celle qu'on adoptait il y a encore quelques temps, ou enfin très peu de temps. J'illustre le propos. Il y a quelques mois, à la FNAC, globalement, sur le profil officiel FNAC France, puisque nous avons des profils à l'international également, c'est plus +1,5 million de fans aujourd'hui en fait consolidés. Donc sur le mur, parce que sur une page, vous avez voilà, vos posts, hein, animations, et vous avez un mur. Il y a quelques mois, globalement, on ne gérait pas le mur. C'est-à-dire qu'on avait plein de clients qui postaient en fait, des réclamations, qui n'étaient pas contents. J'ai pas reçu le colis en temps et en heure, il est arrivé en mauvais état, le vendeur m'a pas répondu. Enfin, que sais-je, enfin, y a énormément finalement, de remarques de la part en fait, de nos consommateurs. C'était un peu le mur des lamentations, en fait. C'est oui, comme c'est je ça. Dis souvent en fait en interne, c'est un petit peu le mur des lamentations. Et donc, on a pris en charge cela. C'était le premier pas justement vers le client, c'est-à-dire dire voilà, ok, vous êtes là parce que globalement, peut-être que la FNAC vous répond pas par ailleurs. Donc, on s'organise en interne. Donc là, il y a eu aussi un enjeu d'organisation avec notamment le call center et d'autres équipes que les miennes naturellement. Et on s'est mis à prendre en charge en fait ces clients. Et aujourd'hui, le fait de répondre, enfin déjà d'accuser réception, des remarques, des réclamations, en tout cas de tout poste que peut faire un client, le fan like, le simple fait que la FNAC dit « Ok, on t'a vu, enfin on vous a vu, on vous a entendu, on revient vers vous très vite, on essaie de trouver la réponse, la solution, parce qu'il faut avoir quand même cette humilité de ne pas pouvoir répondre dans l'instant T, même si on est en effet dans une logique d'instantanéité. On ne peut pas apporter toutes les réponses et toutes les solutions à un instant T. C'est impossible. Enfin, impossible. On a affaire à l'humain, mais on globalement. Peut pas, on peut pas. Donc, aujourd'hui, ce qu'on constate par rapport à il y a quelques mois, c'est que cette page d'aujourd'hui, elle ressemble plus à quelque chose puisqu'on a structuré le positionnement de l'enseigne sur l'approche innovation, sur l'approche service naturellement. On prend en charge ses clients, donc on développe la proximité. On est en relation avec eux et on développe de la conversation. Et ça, c'est fondamental. Donc les évolutions, on les constate. On regarde les valeurs que vous évoquiez tout à l'heure. Et moi, les deux leviers, enfin, en tout cas les deux axes sur lesquels je donne ma position, c'est bien sur ces deux leviers en particulier, ces deux piliers en fait, qu'on essaie de traduire en fait, notre approche sur les médias sociaux. Puisqu'on est sur un média humain et on ne fait pas la même chose sur ces médias-là qu'on ne peut le faire en fait, sur un site marchand. Et comme tu dis, Tina, ça va se faire, mais ça prend du temps. Il faut s'organiser. Plus l'entreprise est importante et plus elle a de clients et plus c'est compliqué. Enfin, je veux dire, la transformation, elle est énorme. Et ce point d'organisation, tu l'as soulevé, voilà, il va pas se faire comme ça en 2 mois, même si le client est pressé. Oui, non, mais ça modifie totalement le mode de communication, enfin, François. Il y a une chose qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'on a un peu dit que c'est grâce au numérique qu'on s'intéresse au consumer insight, à ce que les gens pensent, etc. Ça fait des décennies, voire pour des boîtes comme L'Oréal ou Procter, depuis leur existence, qu'elles s'intéressent à ça. Moi, j'ai travaillé 10 ans chez Procter.
Dans les années 80, il n'y avait pas Internet. On passait notre temps à demander les sentiments des gens. Ce qui change, c'est que maintenant, avec les médias sociaux, c'est qu'ils le disent tout de suite. Et donc, on est obligé en tant que marque, les marques sont obligées d'être toujours au moins, comme tu l'as dit très bien, Karine, à l'écoute de ça. Mais tu as raison, mais c'est pour ça que j'ai bien précisé dans le secteur assurance-finance. C'est qu'il y a quelques années, rappelez-vous, de toute façon, c'était soit réglementaire, obligatoire. Sauf qu'aujourd'hui, même si c'est réglementaire, obligatoire, il y a le choix. Mais à l'époque, on avait moins le choix qu'aujourd'hui. Donc en fait, c'est effectivement, Unilever et autres étaient vraiment à la pointe. Ils étaient L'Oréal, voilà, ils étaient obligés. En revanche, nous, il y a quelques années, c'était pas obligé. Au revanche, aujourd'hui, c'est une question de survie. Enfin, c'est une vraie réponse que vous apportez aux entreprises, en fait, clairement. En fait, l'idée, si je résume, c'est de dire aujourd'hui, hier, on cherchait à savoir ce que pensait le client. Aujourd'hui, il le dit. Donc, il suffit de récupérer l'info et de l'écouter. Si on ne l'écoute pas et si vous continuez à faire ce que vous faisiez avant, de chercher à comprendre ce qu'on pourrait lui fourguer, entre guillemets, hein, sans savoir vraiment ce qu'il attend, mais plutôt ce que vous pourriez lui envoyer, vous passez à côté du client, en fait. Enfin, Bruno. Alors moi, je reviens sur d'abord le point de Karine. Je trouve que l'analogie avec le téléphone est excellente parce que finalement, pour une marque qui veut communiquer aujourd'hui, elle émet des messages. Elle en reçoit et doit aujourd'hui plus que jamais les écouter. Je reviendrai sur la question des valeurs après. Je parlerai de l'exemple de Carrefour. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est mon expérience, la plus récente. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, une marque, elle se doit d'émettre des messages avec parcimonie, de les cibler plus que jamais, mais aussi d'être à l'écoute. Et effectivement, grâce aux médias sociaux et aux réseaux sociaux, une marque, elle doit, pour éviter effectivement les désagréments que certaines rencontrent aujourd'hui, elle doit être plus que jamais extrêmement attentive à l'écoute et à l'écoute active, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour l'exemple de Carrefour, je pense qu'on avait un maillage territorial très important, près de 5000 magasins sur différents types de formats. On représentait, je pense, un acteur incontournable de la distribution, un acteur, apprécié ou pas des Français, je pense qu'en partie quand même. Hein, les enquêtes de notoriété nous montraient qu'on était relativement apprécié, même si le méchant Carrefour fait peur sur d'autres points et d'autres plans. Et donc, on partageait en interne déjà des valeurs extrêmement fortes. On était d'avant tout des commerçants, comme le disait Nicolas. Enfin, nous, on avait l'impression de l'être. Des commerçants de proximité. On n'était pas les yeux rivés, et vous parlez de Web4, avec hedge funds, etc. On n'était pas les yeux rivés, je vous assure, uniquement sur le cours de bourse, comme bien souvent les gens aimeraient le laisser entendre. Donc, j'aurais déjà modifié ce point parce que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, on était vraiment, et moi je l'ai vécu sincèrement, comme un acteur de proximité. Et les équipes étaient complètement mobilisées là-dessus. Alors, après qu'on ne soit pas complètement en phase avec l'ensemble des valeurs individuelles, ça me paraît compliqué, si vous voulez, pour une entreprise, même pour L'Oréal, même pour d'autres, d'être complètement à l'image, pardonnez-moi. Sans doute, mais à un moment donné, ces choix, vous parliez de mission value, vous les faites dans une entreprise, vous n'allez pas les redéfinir toutes les semaines, et une fois que vous les faites, vous devez les incarner en interne d'abord, à mon sens, donc collaborateur management, et ensuite les insuffler, parce qu'on a coutume de dire dans la bande, entre guillemets, que le bienfait que l'on voit finalement à l'extérieur vient finalement de votre bon état de santé interne, quelque part, et de la même manière, les valeurs, si vous les incarnez pas en interne, vous ne saurez pas les diffuser en externe. Donc après, qu'elles ne correspondent pas aux préoccupations de tout à chacun, ça, je veux bien vous l'accorder, mais enfin bon. Pour pas paraphraser, effectivement, une grande marque d'eau, si ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Voilà, je l'ai mal exprimé, mais même cette marque a malheureusement des concurrents et ne satisfait pas l'ensemble des Français. Clairement, alors si on résume un peu ce qu'on vient de se dire, il y a trois grands points, moi, qui me paraissent importants. Un, on est tous d'accord pour dire qu'il faut être digital. On va pas vouloir enfoncer le clou trois fois, mais à la quatrième fois, je pense que ça va rentrer dans la tête. Après, dire qu'effectivement, c'est pas si simple que ça. Hein, c'est pas parce qu'on a la dit qu'on va le faire. Donc, il faut que la DSI accompagne, que les dirigeants soient convaincus, qu'on écoute les clients, parce que c'est bien d'être convaincu, mais on vend, il faut écouter le client qui est ultra puissant aujourd'hui, qui peut défaire et faire une réputation aussi vite un buzz négatif qu'un buzz positif, et ça, il a la puissance de feu pour le faire. Et puis troisièmement, donc aujourd'hui, il faut changer, entre guillemets, la mentalité de l'entreprise en général, et qu'elle pense client, digital, innovation, enfin voilà, tout un ensemble de faits qui fait qu'elle va, entre guillemets, clairement progresser et se mettre au diapason, clairement. Alors voilà, on enfonce peut-être des portes ouvertes, mais
de l'état actuel des choses qui fait que bah, si vous n'êtes pas collé à la réalité, l'image un petit peu est rigolote. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de mobilité, donc ça sera peut-être l'objet d'une autre conférence. On peut pas, le sujet est très vaste, donc on s'excuse d'avance, on ne peut pas parler de tout, mais l'image est très parlante. Hein. Aujourd'hui, avec rien qu'avec un mobile, vous pouvez être un acteur du monde digital avec une puissance de feu énorme. Vous pouvez acheter, dire, parler, échanger, dire du bien, dire du mal, prendre des photos, tweeter. Voilà, vous avez un outil, un couteau suisse. Hein. Clairement, c'est ce qu'on a dit souvent. Donc si on pose le fait qu'effectivement, imaginons, on est entreprise, on a écouté la conférence, on est hyper convaincu, on vient d'appeler son boss en lui disant il faut absolument que tu sois digital dès demain matin, 4h du matin, il faut que tu sois sur le pont. Alors c'est très bien, partons du fait qu'on est dans un monde de bisounours, c'est idéal, et que demain, donc tout le monde est digital, hein, à la fête de cette conférence, le monde entier est digital. C'est quoi l'évolution après? Donc, parce que bien sûr, le monde ne s'arrête pas là. On parle en ce moment de plein de termes alors, qui sont plus ou moins compréhensibles. Hein. On parle de grandes tendances, hein, ce qu'on appelle de tendances. Donc on parlait du big data, on voit arriver des nouveaux outils. Alors je ne parle pas des Google Glass qui sont autant aimés que déjà décriés. Le mobile, parce que c'est l'outil, c'est le prolongement, comme disait Nicolas, naturel de la main. Il y a une étude qui vient de sortir récemment qui dit que la première personne que vous touchez le matin, bah, c'en est pas une, c'est votre mobile. Donc voilà, juste pour éteindre le téléphone, hein, à la back, voilà. Donc comprenne qui pourra. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la RFID pour les distributeurs? Est-ce que c'est le paiement sans contact? Est-ce que c'est la big data? Est-ce que c'est les vidéos interactives ou pas? Est-ce que c'est l'ensemble de tout ça qui va créer un nouveau monde encore demain? Est-ce que ça veut dire que c'est on est rentré dans une phase de perpétuelle évolution? C'est-à-dire qu'on n'en est même pas au 4 ou au 5.0? Ça veut dire qu'un jour, on y sera peut-être au 20.0? Alors moi j'aimerais dire déjà que le digital c'est pas une fin en soi. Enfin, on fait une fixation sur ça, mais au final ce que doit faire l'entreprise, hein, c'est en effet, comme on s'est dit, étudier, intégrer les outils, les éléments, les technologies qui lui permettent en fait d'évoluer, en tout cas de servir son business, parce que au final c'est bien ça qui compte, hein, c'est de faire en sorte que ce digital, ces technologies ces data, etc., puissent nourrir et servir l'entreprise. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est sur un schéma en fait, d'intégration, peut-être plus fort justement, de ces leviers, de ces outils en fait, technologiques et digitaux qui sont mis aujourd'hui à notre disposition. Dans le retail, par exemple, la mobilité, on en parle beaucoup, de la mobilité. C'est un enjeu majeur, je pense, aujourd'hui et d'autant plus en fait, demain. Notamment pour, ça sera probablement d'ailleurs le mobile, c'est ce qu'on dit souvent, je regarde François en particulier, mais ça sera le lien finalement entre le monde web qu'on connaît en fait aujourd'hui. Oui, on parle même de révolution et, dans la révolution. Et, voilà, et le monde physique, je pense que c'est le bon device avec toutes les technologies qui tournent autour, hein, parce qu'il n'y a pas que l'outil en tant que tel, il y a vraiment ce qu'on va mettre à l'intérieur, au service du client, au service du vendeur naturellement. Donc je pense qu'il y a un énorme enjeu en fait aujourd'hui autour de la mobilité. Encore une fois, il y a une marque de cosmétiques, un distributeur de cosmétiques que je ne nommerai pas, qui a mis en place, tout le monde le saura naturellement, qui a mis en place justement une solution, enfin une application à destination en fait, des vendeurs, qui appartient à un très grand groupe. Je crois que ça commence par S et ça finit par A. Mais voilà, c'est pas Mariano. Donc, non, ce que je veux dire par là, c'est pour illustrer avec cette marque, mais à la Fnac, c'est exactement pareil, puisqu'on a en fait mis en place un dispositif pilote en fait dans les magasins qui permettent aux vendeurs d'obtenir en fait une information sur le client. On en parlait tout à l'heure, c'est fondamental aujourd'hui. Donc, création en fait du lien, ça passe par là. Le mobile est un fabuleux device en fait pour cela, et toutes les applications qu'on va pouvoir développer autour de cela seront fondamentales justement pour développer la connaissance client. Alors avec le prérequis naturellement de structurer la connaissance client avec tout ce dont on peut disposer en fait aujourd'hui. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est pouvoir développer des recommandations, des moteurs de recommandation peut-être plus poussés qu'on en a en fait aujourd'hui pour encore mieux servir en fait le client, enfin, servir le vendeur pour qu'il soit plus fort de proposition donc par rapport en fait à ses clients. Le mobile, les applications pour mieux l'orienter dans le magasin, mieux l'orienter en fait par rapport à une zone de chalandise, etc., etc. Donc il y a en fait des outils aujourd'hui extrêmement structurants, et je ne parlerai même pas en fait des outils de paiement au travers du mobile, parce que c'est,
un enjeu majeur dans la distribution, surtout aux périodes de pointe que peuvent être Noël pour la FNAC en l'occurrence, où on fait beaucoup la queue, je crois, enfin, si je ne me trompe pas, dans nos magasins, enfin, comme dans beaucoup d'enseignes. Chez toi aussi, chez Oura, non pas Oura.fr, mais... Ils font plus la queue chez Oura, ils rentrent directement maintenant en fait. Et voilà, on a tout ce qui va toucher au paiement, parce que traiter le sujet du paiement en fait en magasin physique cette fois-ci, c'est aussi répondre à un objectif client qui est de passer le moins de temps possible en fait dans une enseigne quand globalement l'achat est moins engageant. Alors on adore errer généralement la FNAC parce qu'on découvre toujours plein de produits super sympas, on a les dernières technologies, etc. Mais quand vous voulez acheter un livre, donc vous allez en rayon, vous le prenez, vous sortez, vous n'avez pas envie de passer en fait trop de temps en caisse. Donc il y a des achats plaisir, donc pour lesquels en fait le client accepte de passer du temps en magasin et notamment du temps en caisse. Il y a des achats en fait pour lesquels on n'accepte plus aujourd'hui en fait d'attendre. Voilà. Donc on a l'outil mobile et les solutions qu'on pourra intégrer au travers de ce device nous permettront justement de travailler sur cette expérience client dont je parlais tout à l'heure pour faire en sorte qu'elle soit la plus fluide possible, surtout la plus efficace possible pour essayer de laisser cette empreinte positive au niveau au niveau du client. Donc il y a ce sujet de la mobilité, il y a le sujet en fait du social en effet qui est fondamental, puisque au-delà même d'un Facebook, de Twitter ou de je ne sais quel autre média, Instagram, Pinterest & Co, l'enjeu c'est de pouvoir intégrer également ces médias sociaux sur l'ensemble des points de contact, que ce soit dans le physique, puisque les médias sociaux peuvent nourrir justement le physique, avoir par exemple le top 5 des fans, le top 5 des derniers livres, donc le top 5 des fans sur l'univers livre par exemple, accessible en magasin au travers d'écrans qu'on aura mis en place, qui sont déjà en place aujourd'hui, c'est aussi un plus, parce que ça nourrit justement cette expérience. Pouvoir intégrer plus finement aussi les médias sociaux sur le site web est une force, puisque socialiser un site, c'est potentiellement amener plus de trafic. Qui dit plus de trafic, c'est potentiellement développer aussi le chiffre d'affaires. Donc il y a aussi des éléments assez structurants autour de ça. Et bien évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le sujet en fait de la data et de l'intégration, la convergence de la data, de son exploitation et potentiellement la mise en œuvre en fait, la mise en place en fait de modèles peut-être prédictifs. Alors c'est le domaine de Bruno en particulier, mais qui permettront justement de développer une plus forte proximité avec le client, parce qu'on arrivera à mieux le connaître et à mieux cerner justement ses besoins, ses attentes par rapport à l'enseigne, et donc mieux le servir. Donc je pense qu'on a un triptyque aujourd'hui de cet ordre-là, mais globalement on en parle aujourd'hui, demain ce sera peut-être un petit peu différent, mais tout ça pour dire que finalement l'évolution ou la mutation en fait elle est constante, elle se passe tous les jours. Donc à chaque entreprise finalement, à chaque marque, d'étudier ce qui est le mieux en fait pour elle, d'un point de vue technologique, d'un point de vue ressources, etc., pour faire en sorte que ça soutienne en fait le trafic et le business tout simplement en fait de la marque, puisque le nerf de la guerre il est quand même là, hein, c'est la performance économique. Mais depuis tout à l'heure on parle de digitalisation, de mutation du client, de la marque, encore une fois on est dans une société commerçante et commerciale, mais moi récemment il y a une étude de la FEVAD qui l'a démontré, le dernier endroit où l'on cause et on achète, c'est le point de vente physique. Et que ce soit pour n'importe quelle génération, même la génération qu'on appelle Y, bientôt la Z, etc., aime l'achat en magasin physique. Donc, quelque part, est-ce que c'est quoi ? C'est tirer une balle dans le pied en disant ça, ou au contraire, se rassurer en disant, en fait, le digital, comme le disaient Nicolas et Bruno tout à l'heure, c'est ni plus ni moins qu'un humain qui touche quelque chose, en fait, si on résume tout simplement. Alors, il touche un écran, il achète sur le web, il parle à un vendeur, mais en résultat des courses, il est quasiment toujours au même endroit, il va finir au même endroit, il va finir en boutique. Et vous l'emmenez en boutique, ou alors vous, comme disait François tout à l'heure, vous compensez son manque en boutique si le produit n'y est pas. Aujourd'hui, on développe des envies. On vous compense le fait que le produit n'est pas en stock en vous disant, par contre, il est au stock e-commerce, donc vous pouvez l'acheter dans mon magasin grâce à ma plateforme e-commerce. Voilà. Est-ce que c'est pas rassurant de dire ça, de dire qu'aujourd'hui, tout simplement, ce méchant digital, entre guillemets, qui fait peur à certains, il n'est pas beaucoup plus humain qu'on croit? Il y a quelques années, j'ai commencé ma carrière dans la presse. Presse écrite, puis presse écrite et online. Et déjà, à l'époque, on nous disait
le digital va tuer le papier. On n'en a plus que pour 6 mois, on n'en a plus que pour quelques années. Il se trouve que tous ces magazines pour lesquels j'ai travaillé existent toujours. Le digital n'a pas tué ces magazines. Au contraire, il y a une complémentarité pour ceux qui ont bien su la faire. Il y a une complémentarité qui s'est faite et même le digital a redonné une seconde vie. Donc je pense que sur nos métiers, quand déjà, entre guillemets, il y a déjà un commerce traditionnel, il y a déjà une activité traditionnelle, il ne faut pas être attentiste. Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion un petit peu étonnante avec le dirigeant d'une grande entreprise internationale qui me dit chez nous, monsieur, on laisse faire les autres et puis quand ils l'ont fait, on le fait en mieux. Ben ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai parce que quand on parle de digital, quand on a laissé regarder passer le train, il ne revient pas. Il est parti. Et les autres sont partis avec. On a un exemple triste pour les collaborateurs et très récent, c'est Virgin. Virgin a fait finalement comme si le digital n'existait pas. Si vous étiez allé, je crois que ça doit encore être en live, mais allez sur virgin.fr à l'époque, je dirais. C'est comme si le digital n'existait pas. Et malheureusement, le fait de ne pas avoir pris en compte le digital ou d'avoir pensé qu'on pouvait avoir le temps, qu'il fallait observer, qu'il fallait attendre, eh bien on ne peut pas attendre. Le digital va beaucoup plus vite que toutes les évolutions du commerce qu'on a pu connaître auparavant. Donc il est vraiment fondamental de ne pas attendre parce que c'est le client qui aujourd'hui a les rênes. Et aujourd'hui, il a toutes sortes de rênes, il a toutes sortes de technologies. On parlait de Google Glass, on peut parler de l'iWatch, de toutes les terminaisons digitales qu'a le client, le smartphone, la tablette qui n'est pas véritablement du même commerce, mais qui aujourd'hui est en train de remplacer totalement chez une certaine typologie de clients, le PC. On ne peut pas se permettre d'attendre. Ceux qui attendront aujourd'hui que de nouvelles technologies arrivent, que de nouveaux usages arrivent, ne seront plus là demain. Alors, je crois qu'on a une question dans la salle. Quelle perspective d'adaptation des structures de coûts des retailers face au phénomène de showrooming? Parce que finalement, ces retailers, ils sont soumis à la pression des pure players en termes de prix de vente. Néanmoins, ils doivent supporter des coûts fixes extrêmement importants pour montrer aux clients dans de bonnes conditions et faire vivre une expérience client satisfaisonnante. Mais ils ne s'y retrouvent pas forcément en termes de rentabilité. Donc, quelles sont les perspectives d'adaptation pour ces retailers? Alors, le showrooming, on en parle beaucoup en effet, mais le showrooming existe depuis des années, en fait, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, on a un enjeu de faire converger différents services, finalement. Si le client vient en magasin et qu'il achète ailleurs, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas su lui apporter la réponse en fait à son besoin, enfin, en sachant qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins dans l'absolu. Donc finalement, il faut travailler sur l'approche de convergence en fait des services. Par exemple, à la Fnac, pour citer la Fnac, vous achetez en fait sur Fnac.com, vous avez la possibilité de vous faire livrer en une heure dans votre magasin en fait de proximité, ou bien en fait dans les jours qui suivent. Donc nos magasins servent de point relais. Donc déjà, c'est une première réponse. Pour nos clients. Ensuite, si vous allez en magasin, puisqu'en effet, je voulais rebondir sur ton point, Nicolas, vous savez probablement que 90% des achats aujourd'hui sont quand même faits dans les magasins physiques. Donc non, en effet, le magasin n'est pas mort non plus. C'est comme l'ère, en effet, que tu évoquais tout à l'heure quand Internet est arrivé avec le papier. On disait que le papier était mort. Donc le magasin n'est pas mort et je pense que c'est fondamentalement un comportement qui va demain, en fait, déjà être préservé, je pense, et même se développer, peut-être. Donc, en magasin, finalement, quand le client se présente, en effet, on a des mètres carrés, on a des produits, en fait, qui sont organisés en magasin. On ne peut pas avoir tous les stocks de tous les produits, c'est impossible. Et justement, aujourd'hui, l'enjeu, pour nous, c'est vraiment d'orchestrer cette expérience magasin avec l'expérience magasin online et pouvoir proposer en fait une offre la plus large possible adaptée en fait aux besoins. Donc quand vous allez en magasin Fnac, vous ne trouvez pas, enfin votre produit n'est pas forcément en fait disponible, le vendeur qui vous prend en charge
va vous proposer en fait de commander le produit et de vous le faire livrer chez vous ou bien en fait dans votre FNAC de proximité. Donc on est en train de travailler finalement tout cela, donc cette fameuse convergence des différents services qu'on peut être amené en fait à proposer aujourd'hui pour justement éviter que le client aille acheter ailleurs. Donc quand il est en magasin, l'objectif, c'est qu'il parte avec naturellement un produit FNAC. En tout cas, s'il a vu une intention d'achat, c'est qu'il reparte avec un achat FNAC, qu'il soit fait physiquement en magasin ou qu'il soit fait par l'intermédiaire finalement de nos plateformes technologiques qui existent aujourd'hui. François ? Oui, moi je suis un peu plus, pas pessimiste, mais je dirais plus réaliste. Le e-commerce croît de 15% par an, même aux États-Unis. Hein, le dernier trimestre, c'était 15%. Et aux États-Unis, au mois de mai, on vient d'avoir les chiffres, c'était hier, Amazon a cru de 25%. C'est un mauvais mois. Parce qu'en avril, c'était plus 30. Donc vous avez des marchés à somme nulle et vous avez un e-commerce qui progresse. Donc fatalement, les magasins s'effritent. Donc il y en a qui résistent, et tant mieux. Mais les petites librairies, par exemple, indépendantes, qui sont à 1% de rentabilité, elles vont boire la tasse. Il y a des chaînes de magasins. Là, il y a eu dans les mois récents Virgin et Phone House qui vont pas bien du tout et c'est assez humain. En France, on n'en a pas eu beaucoup. En Grande-Bretagne, il y a eu beaucoup de fermetures de magasins. Aux États-Unis aussi. Je dirais que c'est un peu inéluctable. Alors comme l'a très bien dit mon voisin, il n'y a pas le choix, il faut y aller parce que le client est comme ça. Sur la presse, moi je suis beaucoup moins optimiste que vous, la diffusion des quotidiens de presse nationale baisse mois après mois. Hein. Les gens ne veulent plus acheter de journaux parce qu'il y a le phénomène d'achat. Et il y a un mot très important qui a été employé par Tina, c'est le mot de plaisir. Les gens, ils font ce qui est le plus agréable en fait. Et donc si c'est agréable d'aller effectivement passer une demi-heure à la FNAC, regarder des produits, on le fait. Mais au moment d'acheter, si c'est un peu plus cher, si vous faire la queue, boum, on ne le fait pas. Les gens choisissent. Avant, il n'y avait pas le choix. On obligeait les gens à aller tous les samedis après-midi s'entasser dans des hyper. C'était l'achat hebdomadaire. Maintenant, il y a le choix. Donc toutes les politiques aussi des centres-villes avec des tramways, des machins ingarables, etc. Les gens ont le choix et n'y vont plus. Ils choisissent. Le e-commerce fait une alternative maintenant au magasin. Les centres commerciaux ont commencé à baisser en fréquentation à l'été 2008 quand l'essence est passée à 2 euros. Il y a des gens qui se sont rendus compte que c'était plus obligé d'aller tous les samedis dans un centre commercial avec l'hyper, qu'on pouvait acheter certaines choses à l'e-commerce. Et c'est le drame des hypermarchés, c'est qu'ils sont concurrencés dans tout ce qui est non-food par des enseignes spécialisées, où au moins il y a des vendeurs et de la moquette, et pour le frais par les marchés. Les gens adorent aller au marché acheter alimentaire, ils n'aiment pas aller en hyper. Et pour les hyper aujourd'hui, c'est un gros problème parce que les gens n'ont pas de plaisir à y aller. Et je pense que c'est très important, et c'est un des atouts de Fnac ou Nature et Découverte ou de Decathlon. Pour les enseignes magasins, il faut que les gens aient du plaisir à aller dans la boutique. Après, on va leur faire vendre des produits. Mais si les gens y vont en freinant, ils ont l'alternative e-commerce et ils choisiront l'e-commerce. Mais ce qui est pas rassurant, c'est de se dire aussi, moi je suis toujours sur le mot rassurant, hein, donc rassurez-vous, mais est-ce que c'est pas rassurant de se dire que les marchés existent toujours, les petites enseignes, mon boulanger, il existe toujours. À une époque, moi je ne suis pas très vieux, mais on annonçait que la grande distribution, que les hyper allaient tuer les petits commerçants de quartier, etc. Moi aujourd'hui, j'ai toujours un boucher de quartier, j'ai toujours un boulanger. On a annoncé après que l'e-commerce allait tuer les magasins physiques, les résultats des courses. On nous annonce aujourd'hui que, bah, tout compte fait, non, au contraire, le magasin physique, il existe toujours. Donc, et le marché existe toujours. Donc en fait, la chaîne alimentaire, s'il fallait l'appeler comme ça, existe toujours. Mon petit boulanger, enfin mon poissonnier sur le marché, il existe toujours malgré le géant Amazon en face qui arrive en France et qui va faire du commerce alimentaire, pour la petite histoire. Donc on verra ce que ça va faire. Mais est-ce que c'est pas rassurant de se dire que, encore une fois, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme? Est-ce que c'est pas à tous ces gens-là qui constituent une chaîne du commerce en général, parce que voilà, il y a beaucoup de commerçants, de s'adapter à ce fabuleux outil qu'est le digital. Donc, alors après, le poissonnier sur le marché, je suis sûr qu'il n'est pas encore digital, c'est pas certain qu'il le devienne demain, c'est pas sûr que l'enjeu soit pour lui d'être digital. Pour le boulanger, c'est pas certain que ce soit pas un enjeu, justement, à l'inverse, il faudra peut-être penser à ça demain. Et toujours dans la continuité d'aller doucement vers une conclusion, puisque le temps nous est compté, justement sur ces tendances de demain, c'est quoi la vraie tendance pour vous? Allez, si on avait une par personne demain, c'est quoi? La convergence. On parle des hypermarchés et on parle du web comme si c'était des frères ennemis. Alors qu'est-ce que c'est qu'un drive? C'est une relation
non naturel. Au contraire, il ne faut pas du tout penser en antagonisme, il ne faut pas penser justement en guerre d'un canal contre un autre. Les canaux ne sont pas des guerres, les canaux sont juste des valeurs ajoutées, des propositions, des services pour les clients. Aujourd'hui, le développement phénoménal des drives, c'est exactement ça. C'est les clients qui veulent une nouvelle valeur ajoutée, un nouveau service. Et demain, et c'est quasiment aujourd'hui, puisque c'est un phénomène qui est extrêmement rapide, chaque hyper aura son drive. Parce que tout simplement, pour les clients, effectivement, ce n'est plus du tout un plaisir d'aller à l'hyper. Je crois qu'aujourd'hui, on fête l'anniversaire du premier hyper en France. Les ménagères, parce que c'était le cas, y aller comme si c'était une espèce de grand spectacle. Aujourd'hui, même si certains acteurs, et je pense notamment à Carrefour, ont essayé de rethéâtraliser l'hyper, d'en faire une nouvelle expérience, il faut bien dire que on ne dit pas « chouette, samedi, je vais à l'hyper, ça me manquait », c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, il va y avoir un transfert d'un canal à un autre. Je vais nuancer quand même. Mais il va falloir se réinventer. Il va falloir se réinventer parce que même un phénomène aussi puissant que le drive, on se rend compte aujourd'hui, on est bien passé pour le dire, c'est que Oura a lancé un pilote d'un drive d'un nouveau modèle. C'est que les clients trouvent que c'est une super bonne idée, mais c'est extrêmement mal fait en général. Et pour les avoir tous testés personnellement pour faire une étude, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais on arrive à un niveau de qualité qui est en moyenne de 50%. C'est-à-dire qu'une commande sur deux est fausse et non valable. C'est pas à l'heure, il y a des manquements, il y a des substitutions. Donc, encore une fois, il faut se remettre en cause. La grande distribution, notamment, a besoin de se remettre en cause énormément et ne pas penser par silo, mais penser pour le client. Bruno ? Alors bon, je vais parler de mon expérience chez Carrefour, mais j'ai encore une de mes anciennes collègues qui nous a rejoint, collaboratrice. Je pense que chez Carrefour, on avait fait pas mal d'efforts, puisque à l'époque, déjà, on considérait, et François a raison, à juste titre, que le commerce de proximité était une véritable concurrence. Donc on a essayé de professionnaliser les filières. Et dans les hypermarchés, vous avez aujourd'hui de véritables professionnels de la boulangerie, de la pâtisserie. Donc je ne suis pas picousé Carrefour, mais je pense qu'effectivement, on a mené des batailles, même sur l'hypermarché, pour le maintenir au moins, on va dire, à un niveau flat. Et après, je répondrai à votre question sur les coûts, c'est un vrai sujet. Donc je pense qu'on a fait évoluer le modèle, tout simplement en faisant évoluer les parts de marché entre les différents formats. C'est un petit peu inévitable, hein, quand vous êtes une enseigne de distribution multiformat. Il y a des formats qui marchent plus ou moins bien que d'autres. On a effectivement refondu l'hypermarché, Carrefour Market, Carrefour Planet. Le format super qui s'appelait Champion est devenu Carrefour Market et fonctionne, à mon sens, encore de mieux en mieux. Puis tous les formats de proximité, à mon sens également, remportent, je pense, un franc succès parce que les gens qui descendent aujourd'hui pour acheter leurs baguettes, parfois ils ne vont pas que chez le boulanger, ils vont aussi, alors je ne prends pas l'exemple de cette fois de Carrefour, je vais faire plaisir à d'autres, chez Monoprix ou ailleurs. Donc, nuance un petit peu là-dessus, je pense que les distributeurs ont essayé de s'adapter à ce phénomène et davantage donc, de répondre aux exigences d'un commerce de proximité. Maintenant, ce n'est pas totalement concluant, mais en tout cas, alors, le phénomène du drive, pour moi, il est épiphénoménal pour autant, parce que c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Chez Carrefour, on a dû en ouvrir en 2 ans, Estelle, 115. Alors, je ne sais plus où ils en sont aujourd'hui, je ne pourrais pas vous donner le nombre. Voilà, donc ça suivra son cours. C'est une dynamique globale, ça participe encore une fois d'une logique de format et de pluriformat où on retrouve la proximité, les supermarchés, les hypermarchés, le drive et la partie web, e-commerce. Pour en venir à votre question sur les coûts, c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet compliqué. Parce qu'en fait, on s'est toujours posé la question de savoir s'il fallait externaliser, justement. Alors, quand on est une entreprise cotée ou non cotée, c'est différent. Est-ce qu'il faut externaliser toutes ces charges de développement du digital ou au contraire, faut-il les internaliser pour... dans une chaîne de valeur intégrée, toute la partie PNL, je ne peux pas rentrer dans le détail maintenant, je ne voudrais pas saouler l'audience, mais c'est comme ça que ça s'opère, c'est comme ça que la réflexion doit naître. Il faut à un moment donné être capable de se dire quels sont les coûts que je vais pouvoir mutualiser sur l'ensemble pour un retailer de mes différents formats, sur le plan logistique, sur le plan organisationnel, sur le plan RH, etc. C'est très difficile, ça ne se fait pas en 2 semaines, en 2 ans non plus, donc je pense qu'aujourd'hui on peine un petit peu en France, effectivement, sur ce point. Il y a eu des allers-retours, vous le savez, d'externalisation, de réinternalisation des activités. C'est un vrai problème. Voilà, donc je ne peux pas rentrer dans le détail pour autant parce qu'on n'aurait pas le temps. Moi, je pense que la bonne solution, elle est dans un équilibre complet et global. Je pense que ce soit Tina, enfin, on est tous convaincus par l'omnicanalité.
l'expérience sans couture, mais ça également, ça participe aussi d'une expérience multiformat qu'on donnait à un retailer globale et complète. Donc de la même manière, demain, on devra absorber des coûts de façon finalement mutualisée et transversale. Et ça, c'est à inscrire, à mon avis, sur l'agenda des, on va dire, des dirigeants d'aujourd'hui et demain, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça c'est clair. Je suis d'accord avec vous. Absorber les coûts pour le showrooming. Un mot de conclusion, chacun dans l'ordre, sur ce que vous avez vraiment envie de nous dire en 3 minutes. Voilà. En 3 minutes, une nouvelle ère pour les assurés et donc l'assurance. Pas que pour toi, Karine. Non, je ne parle pas que pour moi, mais je voulais juste placer quand même le big data. C'est, tu nous disais en conclusion ce qu'on souhaiterait dire. C'est que voilà, l'innovation, le big data, c'est le prédictif. Organisé en respectant bien entendu les clients et la réglementation, parce que c'est sûr qu'à la fois les données, ben faut faire attention, mais sinon et les valeurs des gens, on en a et parlé. Les valeurs, effectivement. Attention aux valeurs. Voilà, Tina. Alors, convergence, en effet, ça c'est un mot qui est, qui est dans le top, top 2, dans non, même le numéro 1 dans, en fait, de, des mots. Big data, naturellement, on l'a évoqué tout à l'heure avec tout ce qui est prédiction, etc. Et je dirais l'humain. Recréer de la valeur en fait par l'humain, alors que ce soit au niveau de nos collaborateurs, donc que ce soit les conseillers, les vendeurs, etc. Et recréer de la valeur au niveau de l'humain et cette fois-ci côté client. Donc les deux convergents, on devrait pouvoir obtenir une recette plutôt sympa. Tous ambassadeurs. Nicolas. Un premier mot qui sera le mot courage. Bon courage à tous. J'entends beaucoup d'inquiétudes, j'entends beaucoup de est-ce que si, est-ce que ça, et des craintes, et c'est la crise. J'en discutais ce matin avec quelqu'un. Depuis que je suis né, on me raconte que c'est la crise. Oui. Depuis que je suis né, on me raconte que tout va mourir. Et ça, c'est des très bonnes façons de se cacher là son petit doigt et de ne pas avoir de courage. Donc aujourd'hui, on a un monde qui est en train de se révolutionner sur beaucoup de points et le digital est une révolution. Donc prenons la révolution en marche et ne laissons pas passer. Donc d'abord du courage et puis ensuite un mot tout simple, c'est le Chief Digital Officer dans votre boîte, ça doit être votre client. C'est clair. Et il doit être au COMEX et à chaque COMEX et vous devez jamais l'oublier. C'est le premier client. François. Oui, je crois que tout a été dit. Il faut aller sur le numérique, comme l'a dit mon voisin, il n'y a pas le choix. C'est compliqué, oui. Donc il faut une implication tout le temps. Il ne faut pas penser qu'on va avoir une vision déterminée et que ça va être gravé dans le marbre. Ça va changer en évolution tout le temps. Donc c'est important de mettre le client au centre et pas seulement dans les mots. C'est-à-dire de se demander ce qu'on ferait à la place du client. Est-ce qu'on accepterait de faire la queue en magasin? Est-ce qu'on accepterait sur un site internet de ne pas être livré, etc. Il y a des choses qui paraissent évidentes pour les clients, qui sont souvent négligées par les entreprises. Et continuellement vérifier que ce qu'on fait est bien en phase avec les attentes du client. Et Bruno, bonne révolution digitale. Pas mal. Ben merci à tous. On espère qu'on vous a un tout petit peu convaincu. N'hésitez pas à répéter ce qu'on vient de vous dire. Donc soyez tous digitaux et soyez-le bien. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.